Bonsoir. Oui. Ah, bonjour. Ah oui, d'accord, vous êtes connecté imminent, quoi. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, parce que on se demandait où t'étais. MV a dit c'est imminent et effectivement c'était imminent. Ah oui, c'est c'était vraiment imminent, quoi. Imminent. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va? Salutations. Faut qu'on se rajoute en ami. Bonjour. Bonjour. Comment? T'as dit quoi, Bagarin? Hein? Faut qu'on se rajoute tous en groupe. Oui. Si tu veux. Attends, comme ça je peux vous retrouver et voir vos persos là. On est bah toi tu connais le mien de toute façon, rien de très fou. Ah, celui de MV est très très beau. Je sais pas Dominique où vous... Dominique Hackpot, MV, si jamais. Ah, Dominique Hackpot. Moi, je vous entends mal. Bah, je sais pas. J'arrive. Je sais pas où t'es, Bagarin, je te vois pas. Bientôt. Je suis au Dominique Hackpot. Mais je suis au Dominique Hackpot. Ah bon? Bah, je suis au Dominique Hackpot. Mais pourquoi ça a suivi? Ah oui, t'es là. Ah non, mais non, ça c'est Ultia. Ah oui, il y a Ultia aussi qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Elle est où, Ultia? Elle est au Dominique Hackpot, là où il y a censé être Bagarin, mais Bagarin n'est pas là, en fait. C'est quoi déjà? C'est quoi que vous appelez? Mais je suis au Dominique Hackpot, moi. Ah, c'est ça. Oh, je suis pas sur le bon serveur? Attends, je vais aller sur ton. Moi, je te vois, t'es devant moi. Je veux... Ah bah ouais. Mais non, mais vous êtes pas au même endroit que moi. T'es où? Ah merde, on est pas sur le même serveur? Mais non, vous êtes sur Louisois. Ah merde. Mais c'est vrai. On arrive. Ah mais oui. Vous êtes sur Louisois. Purée, j'avais oublié. Alors, ce truc. Mais je sais plus comment on fait. C'est un autre serveur. Il faut que vous alliez à une des trois grosses villes, donc Ulda, Limsa, Lominsa ou Gridania. Que vous alliez à l'Etherite principale, clique droit dessus, et dedans t'as un truc genre voyage de serveur ou je sais pas quoi. J'arrive. C'est ça. J'ai oublié qu'on allait rechanger, c'était ça? Alors attends, comment on retourne à Gridania? Clique droit sur ta. Enfin, clique gauche sur ta minimap en haut à droite. Pas mal. Et ça, ta grosse map qui va s'afficher. Ensuite, tout en haut à gauche, afficher la carte du monde de ce truc-là. Forêt de sombre linceul, tu cliques dessus. Et terrible de nouvelle Gridania. Ouais, ah ouais, bien vu. Voilà. C'était où t'étais en était avant. Et du coup, je vais à Gridania. Je mange du pain. En vrai, là, je me TP, tu peux me suivre sinon. Okay. Oui. Tu fais quoi, MV? Non, je me prenais la tête au basket pour gagner au moins 50. Ah, c'est vrai qu'on peut stream squad, on est 4. Si jamais les invitations. Ah, oui. C'est si rare. Oui, bien sûr. C'est vrai. Au basket. Et du coup, vous êtes dans Spriggan. Spriggan, tout à fait. Spriggan. Lieu de basket de la fête foraine. Ah, faut qu'on se sépare de notre équipe. Mais j'ai vu que tu joues au triple triade, MV. Ah, ça y est, mais j'ai découvert. Mais ce que je disais. À Black Zerti, je suis extrêmement frustré. En fait, j'ai arrêté mon let's play vraiment pile poil avant le Gold Saucer, en fait. Je pouvais littéralement y aller. Tout à fait. Mais là, on est d'accord. En fait, la plupart du temps, quand tu faisais des OP sur le jeu, on t'avait prêté un personnage qui était dans Shadowbringers, si je dis pas de bêtises. L'avant-dernière extension. Et là... Shadowbringers et les raids. Et ça, je l'ai commencé hors OP chez... Voilà, ça, tu l'as fait hors OP. Du coup, là, t'as récupéré un de tes... un perso que t'as pas joué depuis 500 ans. Voilà. Et du coup, je passe d'une rotation samouraï à 200 APM à une beaucoup plus simple, sauf que pas du tout. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai vu, tu joues moine. Après, ça va, je crois que t'es niveau 33, donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, ça va. Ah, ma rotation, c'est 1-4-7, 1-4-7, 1-2-3-7, 4-3-1. Je retourne au Gold Saucer, si jamais. Très bien. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Bah, je me TP là, tu vas pouvoir suivre. Attends, est-ce que je veux jouer aux cartes avec toi, MV? T'es où? Non, mais je vais J'ai l'impression d'avoir 70 ans. Quoi? Pourquoi tu veux pas jouer? T'as jamais voulu jouer aux cartes avec nous, Antoine? Moi j'ai 3 cartes, hein. Ah, mais parce que je l'ai vu jouer sur son stream aux cartes tout à l'heure, mais Ah oui, mais je viens de commencer, t'es là, je te vois. Hop là, donc ça c'est Bagheera. Podrick Balkany, c'est tout à fait MV, il faut l'inviter. Ah oui, t'as ton petit flow, MV. Il est très beau. Il est très beau. Tout à l'heure j'ai pris l'aéronef et j'avais la banane dans les yeux, c'est incroyable. Oh ouais. Il est où, une team. Ah zut. Elle est la team. Ah oh, ça joue bande organisée. Attends, je te demande un ami. Comment on fait déjà? Pour jouer bande organisée. Mais en plus toi tu joues oui, Bard, je crois, Hortense. Bard? Tu joues Bard? Moi je suis archer. Oui, c'est la même chose. Tu seras Bard normalement. Tu seras Bard normalement. Et à partir du moment où t'es Bard, je crois que c'est vers le niveau 35, je crois, tu peux jouer des instruments de musique dans le jeu. Oups. C'est un peu bordel là. Ah non, au secours. Les sugar daddy, n'hésitez pas! Comment on s'en va de notre photo? Escape. Ok. Ah, tu peux lancer le squad stream, je crois que tout le monde a accepté. Est-ce qu'il y a le Gold Saucer en free trial? Je trouve pas personne. Tout à fait. N'hésitez pas, les sugar daddy, j'ai besoin de tenue et de familier. Le Gold Saucer, les gens, vous pouvez trouver la quête à Ulda en fait. Même si vous êtes en free trial, vous pourrez avoir le Gold Saucer. Tout à fait. J'ai vraiment 70 ans. Tout à fait. Attendez, 720. Attention, 720.
Non, mais. J'ai... Juste un 3-6. C'est là-bas, je pense. C'est possible, faire un 7-1. Mais tu fais quoi, MV? Ah oui, tu sautes. Je actuellement, ça me brise un peu le cœur, mais ils ont essayé de faire un 720 sauter, mais avec les touches, c'est dur. Hein. Tu veux qu'on, fasse un triple triade? Non, oui, mais toi, tu dois avoir des. Moi, j'ai des cartes de débutant. Si tu veux, je me prends un deck pourri. Viens, Hortense, on va jouer aux cartes. Attends, Gold Saucer. T'es où? Bah, je sais pas. J'ai quoi comme deck pourri? C'est comment qu'on joue aux cartes? Mais vous avez des cartes de triple triade ou pas du tout? Bah, j'en sais rien, moi. Moi, je comprends rien à ce qui se passe. En fait, il faut aller au sud-ouest, là, et vous avez la croupière qui va vous apprendre le jeu et surtout vous donner votre premier deck. Au sud-ouest. Ouais, la sortie sud-ouest. Ouais. De cette grande plaza. Je suis allé à l'est, mais allez. Non, mais pas du tout, on est là maintenant. Ah bah, c'est pas ça. C'est où? Ah, merde. Attends, non, normalement, c'est par ici, suivez-moi. Moi, je suis pas avec vous. Ah, voilà. Je suis... Pour revenir vers la Grande Éthérite. Donc, tu vas vers la Grande Éthérite. Regarde sur ta map. On est dans le même groupe. Il y a un peu de monde, hein. Je vois pas. On a des petits points sur la map. Y a un ah, petit peu de monde. Oui. Je suis très, très myope. Hop. Ah ouais. Et c'est ici, il me semble. C'est ici, il me semble, pour commencer. Oh, quel enfer. Je sais pas lequel vous êtes, moi. Ah, je suis devant. Ah, j'ai vu bagarre. T'es assez loin. Hop là. Oui, c'est ici. En gros, Hortense, on a le gros groupe de gens qui courront dans le Gold Saucer. En gros, quand tu regardes la map du Gold Saucer, c'est vraiment... Oui, je suis juste derrière toi. C'est vraiment full ouest de la map. La partie bleue full ouest. Sur la map. Ok. C'est vraiment là, quoi. Attends, je peux désormais jouer. Il y a le jeu FF8 dans FF14. Non, pas du tout. Mais c'est juste qu'il y a, par contre, il y a un raid qui est une référence à FF8 dans FF14. Un raid... C'est un jeu de cartes ou il un raid aussi. Alors, moi, je trouve ça bien, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Alors voilà, c'est tout. Oh, merci beaucoup pour le bébé koala, merci beaucoup. Et surtout, les règles sont pas spécialement très claires dès le départ, on va dire. Ah zut. Ah ouais, mais moi, je vais rien comprendre, du coup. Oh, mais laisse tomber, Hortense, j'ai un peu la flemme, ça va. Oh. En chaos, tueur d'as, identique, vas-y. Est-ce que tu veux que je prenne un deck correct ou plutôt... Non, je prends un deck plutôt faible, vas-y. Vas-y, je prends un deck plutôt faible, vas-y. Prends des As, prends un max d'As. Bah non, justement. Vas-y, à toi. Place bien ton jeu, mec. Ah oui, non, mais l'angoisse. Ah, j'ai une lampe là-dedans. Ok. J'aurais pas dû mettre aléatoire. Et c'est un peu le bordel. En fait, t'as mis KO. Ouais, moi aussi. Ah oui. J'avais oublié que j'avais mis KO. Il faut que je l'utilise. J'ai pris des cartes toutes pourries. Non, c'est pas utilisé, c'est quoi? Oh non, il est minuscule, je l'aime trop. Je lui donne ma vie. Ok. Non! Merci beaucoup! C'est honteux! Merci beaucoup! Putain, ça merci va, il est prenable facilement. Il est prenable facilement. Je comprends facilement. Rien à ce la carte passe. Que je pose est nulle. Ah, voilà. Merci beaucoup. Merci les sugar daddy. Mais du coup, on m'a donné quoi, là? Un chapeau? On m'a donné une fenêtre. Hein? Et ouais, faut pas que tu mettes chaos parce que du coup on est obligé de choisir cette carte là et c'est nul. Hop. Oh, je suis sur un mind game. Oh, le mind game. Regardez, c'est pas un chapeau. Le quoi, vas-y, fais la même chose mais sans chaos. Ouais. Hortense, viens me voir. D'accord. Attends, j'essaie de comprendre ce qui se passe et il y a trop de trucs. Ah mais attends, je peux rien. Règle locale. En fait, c'est la règle locale, je peux pas la changer le chaos. Ah putain, c'est la règle du Gold Saucer, faut qu'on aille ailleurs. Putain, KO, c'est la règle du Gold Saucer. Putain, fais chier. Ah non, je vais mourir, c'est trop mignon. Ah ouais, ouais. Bon, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe, Hortense, dis-moi. Rien, on m'a donné un truc, je sais pas ce que c'est. Ça s'appelle comment? Je sais pas, j'ai pas regardé. Ça ressemblait à un chapeau de fête. Ah, bah c'est un chapeau de fête. Non, c'est pas dedans. Je crois que c'est un feu d'artifice, un truc comme ça. C'est quoi ces étoiles, là? Ah oui, tu fais clic, tu les étoiles. Regarde sur mon épaule, MV. Je suis devant toi. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, les étoiles ont disparu. Non, dans l'autre sens. C'est K.A. Scroot à côté de toi, c'est Bagheera. Mais oh, le quoi là? Moi? C'est K.A. Scroot à côté de toi. Ah, j'avoue. Ah, mais il est sur toi. Ah oui, bah oui. Bah oui, il est sur moi. Incroyable. Comment on fait déjà? Pour l'avoir sur son épaule? Ouais. J'ai oublié la commande pour ça. Oh, moi, non. Je sais pas, il est monté tout seul. Hein. J'ai oublié la commande pour ça. Comment on fait? Ah oui. Au calme. Est-ce que c'est à quelle heure qu'il y a un dé? Ah, c'est. Tu sélectionnes ta monture et tu fais slash viens. Dans le chat. Ah oui, merci. Slash viens. Attendez, j'ai un. J'ai pas de familière. J'ai une invitation de Balkany là, mais.
Non, oui. C'est pas Balkany. Si, c'est toi. Podrick, c'est Balkany. Moi, c'est moi, c'est moi. T'as, pas, t'as aucune mascotte, MV? Si, si, je dois avoir ça. C'est Rocket Ball à droite, tu dois avoir ça si t'as pas bougé. En bas à droite. Mascotte. Oh, mais j'en ai plein! Ah coup. Oui, c'est là, là aussi, merci. Je dois avoir un truc qui coûte cher. Je crois que j'ai le Mameshiba. Ah oui, le Mameshiba, bien sûr. Mameshiba qui est une nouvelle monture, d'ailleurs, dans le... Ah! Je suis garde à dire, je l'ai pas, le Shiba. Je crois. Pour toi, c'est un inventeur, on au calme. Ah, le Mameshiba. Ah, équipe, peut-être cool. Ouais, on commence à avoir beaucoup de compagnons, hein. Oh, il est trop kawaii. Oui, bah, Liste d'amis. Il y a un Jacta actif, si jamais. Le Jacta! Il y a un Jacta qui est actif à l'heure actuelle. Je réponds plus de rien. Ah, c'est où, c'est où, c'est où? C'est la partie... sur la carte, sur la minimap, t'as le petit point d'exclamation qui t'indique où il est. J'ai vraiment 70 ans. Ok, j'arrive. C'est dans le vert. Ah oui, ok. Oui, c'est dans le vert. C'est le parcours que tu dois sauter, arriver au bout en récupérant les petits pampas. Oh, je suis trop nul à ça. Comment on accepte l'invitation de quelqu'un? Il faut que tu ailles dans liste de, tu vois tes petits boutons orange en bas à droite? Ouais, ouais. Communication. Là, j'ai liste d'amis. Voilà, liste d'amis. Ah. Et normalement, en bas, tu as les gens qui t'ont invité tout en bas de tes amis. Et tu les sélectionnes, oui. Tu fais accepter ou pas. Oui, je suis aveugle. Simplement. Mais je suis vers le point et ça marche. Mais c'est pas. Au palais au pampa. Hop là. Ok. Bon, vas-y. Je fais le Jacta. Moi aussi, let's go. Il faut savoir qu'un Jacta est un mini-jeu du Gold Saucer qui a... Le Gold Saucer qui est le casino du jeu, tout simplement. Complètement optionnel, on s'en fout, tout ça. Toutes les 20... Non, on peut pas le faire en équipe, j'ai dû quitter l'équipe pour ça. Ah. Hop là. Ah oui, c'est pour ça. Moi, j'ai quitté l'équipe aussi, du coup. Ah ouais, Fred, il était fort à ce truc-là. Ah, j'ai lancé une mission, moi. Je sais pas ce que c'est. T'as fait quoi? Bah, je sais pas, ça m'a proposé une mission, j'ai dit oui. Est-ce que t'es allé dans la zone verte et t'as sélectionné et là, tu es dans une zone... Non? Ah bah c'est parti. Ok, c'est bon, je peux le dire. Ah non, je me suis TP. Bon, je comprends rien. Alors attends, je vais sur ton stream, Hortense. Deux secondes. Je vais te dire ce que tu es en train de faire tout de suite. Wouh, j'ai fait un saut. C'est ça. Tu fais comme nous, en fait. C'est-à-dire, c'est un mini-jeu qui a toutes les 20 minutes à peu près. Oh, j'ai mis de sauter. C'est un mini-jeu du truc. Il faut récupérer les petites statuettes et arriver au bout. Mais c'est assez dur, en vrai. Hein, c'est assez dur. Pourquoi je vois plus les autres bouffes? Les autres bouffes, hein. On a dissocié l'équipe. En gros, tu dois dissoudre l'équipe pour pouvoir participer. Alors, sur ta map, t'as une sorte de point doré. Pour reprendre le jeu, vous conseillez quel serveur? Tous, en vrai. Globalement, tous se valent. Il n'y a pas vraiment de. Là, le serveur sur lequel on est s'appelle Spriggan, qui est un serveur qui, même s'il y a beaucoup de monde que vous avez vu tout à l'heure, en vrai, c'est un serveur qui est assez peu peuplé par rapport à d'autres. Et mais c'est un serveur qui est massivement francophone, on va dire. Et il y a le nouveau serveur Sagittarius, ça, oui, c'est vrai. Il y a Sagittarius qui vient d'arriver tout à fait. Oh non, on m'a poussé! On peut pas te pousser. Tout à fait, tout à fait. Mais si, je me suis pris quelqu'un et du coup, ça m'a fait glisser. Tu ne peux pas te prendre quelqu'un, c'est impossible. Mais, ok, je vous enverrai le clip. Moi, je pense que t'as pris un petit bout de branche. Il faut interagir avec. Peut-être qu'il y avait un truc devant. Oui, tu veux juste passer dessus. Tu t'arrêtes dessus et c'est bon. Ah oui, il y a un petit délai. Je suis trop mauvais, là, qu'est-ce qui se passe? Mais non, il n'y a rien devant. Je me suis rien pris. C'est pas grave. C'est vous. Non, je suis tombé. Non. Oh là là. Ah non, mais c'est par là, je suis trop con, excusez-moi. J'ai cru que ça passait, ma vie pue la merde. Et ok. Au calme. Tu comptes faire quoi, MV, là, sur le jeu, aujourd'hui? Okay. Je viens de découvrir Gold Saucer, mais oui, il faudrait qu'on fasse d'autres choses aussi. Tout à fait. Enfin, c'est comme tu veux, hein. Moi, le problème, c'est que si j'étais nu avec le samouraï, on pouvait faire un peu tout n'importe quoi. Là, j'imagine qu'on est un peu restant en termes de choix. Ah oui, tout à fait. Pas pour ce qui est, taper, les bleus. En fait, le problème, c'est du coup, aujourd'hui, il y a le transfert de monde qui est devenu gratos, mais hélas, pile le serveur sur lequel on est congestionné par rapport à ça. Oui. Et du coup, c'est pour ça que MV peut pas utiliser son samouraï niveau 80 et quelques, je sais plus quoi. Hop. Ah, okay. 80, ouais. Après, bah du coup, par exemple, si Horty, je sais pas si tu comptais continuer l'histoire un petit peu, t'auras des moments qui te débloqueras où on peut te rejoindre. J'en ai zappé un. Ouais, je vais continuer. Donc, ça serait la bonne idée de faire ça. J'ai zappé un pampa. Merde, il est où? Attendez, je reviens en arrière. Je me reconcentre un peu là. Il est où? Il y a plein de chutes regrettables. Il y a trop de gens, c'est insupportable. Oui, il y a toujours beaucoup de gens. Et moi, j'en sors pas mal, hein. Il est où celui que j'ai raté? Moi, tout allait bien et là, ça y est, je craque. Quand je dis ça, là, je me suis loupé, mais. Il est où celui que j'ai raté? Putain, je l'ai loupé. Comment tu sais si t'as loupé un pampa? T'as la liste à droite? Ah putain. Un pampa? Oui, d'accord.
Ta liste à droite. 10 minutes 40. À droite, t'as... Ah ouais. Moi j'ai la il liste. Il en manque. Du coup. Je l'avais réussi, ceux-là. Hop là. Une formalité. Donc il faut avancer aussi. Ah maintenant je vais là. Ok, au calme. Okay. Ça c'est tranquille. J'aime trop les gros, les grosses plateformes qui font sauter là. Okay. Ah merci, on m'accueille. Merveilleux. Ok, je vous attends à la fin, bon courage. Mais je suis pas très loin, hein. Et toi, t'as beaucoup moi, joué au jeu. Moi, j'ai un problème avec les distances, je crois. Ouah non, mais attendez, ça fait 4 fois que je meurs au même endroit. MV a déjà fini Shadowbringers. Tu l'avais fini, Shadowbringers, MV? Shadowbringers... J'ai loupé un pan de bac. Non, j'avais fait la dernière quête, mais ensuite, ils en ont rajouté plein, donc j'ai pas terminé tout Shadowbringers, en réalité. Non, mais ouais, mais t'avais fini la... Enfin, on va dire la partie principale, t'as... Enfin... Avec Vovo, ouais, j'ai fait Vovo. Reste devant, toi. Vovo. Je crois qu'il manque un pan de oh, bah. Il me manque des pampas. Vovo. Un gros vovo, quoi. C'est quoi, vovo? Il manque un pampa de bronze. Vovo. Du coup, ah, là... Attends, de vos... Ah oui. Oui. Antoine, s'il manque un pampa de bronze, je dois redescendre, le rechercher et tout remonter? Oui. Mais tu peux finir si tu veux. Hein, mais... Comment je finis? Ah, Vostri. Ah, t'as fait innocence. D'accord. Il faut que t'arrives à la fin, à arriver, clique droit sur arriver, c'est fini. Ah oh, bah, j'y suis. Bah, c'est bon. Ça veut dire que c'est quand même des petits points? Oui, tout à fait. Lou, l'or, il est à la fin, le pampa d'or? Le pampa d'or, il est sur un des côtés de la fin, ouais. Et c'est le plus dur à atteindre. Je vois, hop. Il est à ta droite, normalement. Alors, on regarde à droite. Pas chaud, là, ah réussir. Oui, ok. Merci. Oui, du coup, t'as fait innocence, je vois. Oh, je suis trop contente, j'ai loupé qu'un pampa. Bravo. Et un pampa de bronze, donc on s'en fout. Oh, bagarre. Merci. Non, mais ça, c'est juste Square Enix qui me hait, hein. Oh, sur les cadres, allez je pense. Tu les as tous su. Mais là, j'étais sur la plateforme, il a glissé. C'est bon. Hop là. Non, 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 ça, ça compte pas. Ta, 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 ta. Oh, un pâté de boue, merci beaucoup. Un pâté de boue. Bravo. Non. L'hippocampe, je vais crever. Hop là. J'ai jamais joué à ce jeu, est-ce qu'il vaut le détour? Bah moi, je te dirais que oui, moi, c'est mon jeu préféré. Ever. Ever, ever. J'ai calculé tout à l'heure, j'ai ever. Plus de 3450 heures de jeu. Donc c'est beaucoup. 3450. Ah, ouais, attendez, quelqu'un veut échanger. Oui. Je suis disponible pour tout échange, bien sûr. Pareil, pareil. Moi, ne faites pas ça avec moi, pour le coup. Moi, n'hésitez pas à me donner des vêtements, surtout. Ça vaut rien. Moi, ne me donnez rien. Si vous avez des vêtements, n'hésitez pas, je sais qu'on va donner des trucs cool, là. Les 4, c'est mignon. Merci. Ne me donnez rien. Antoine, j'ai une question pour toi. Oui. Si je veux faire une tenue avec les vêtements, machin, est-ce que je peux mettre plusieurs trucs de nuages sur la même tenue? Trucs de nuages? Les prismes mirage. Est-ce que je peux en mettre plusieurs sur la même tenue ou pas? La même tenue, c'est-à-dire? Genre, moi, j'ai ma meilleure tenue, là, du coup, j'aurais envie de mettre plein de prismes dessus pour avoir plein de tenues. Mais en fait, quand tu dis ta tenue, en fait, tu peux mettre un prisme mirage par élément de tenue, on va dire. Mais pourquoi je l'ai pas merde. Eu, donc, en gros, tu dois accepter que quand t'es hyper stylé, c'est pas forcément sur ton meilleur équipement, quoi. Comment... Attends, j'ai pas compris. Excuse-moi. Tant pis, hein. Bah, en gros, moi, si j'ai envie de faire plusieurs tenues, là... J'avoue. Oui. Et que j'ai envie que ce soit sur mon meilleur équipement, parce que comme ça, si je me bats dans mes tenues de feu, je peux le faire ou pas? Bien sûr, tout à fait, c'est tout le principe. Le principe du mirage, en fait, dans le jeu, c'est le transmog, quoi, globalement. C'est en gros, tu te sapes exactement comme tu veux, sauf que les stats de tes tenues ne changent pas, en fait. C'est une illusion, oui, c'est un mirage, quoi. Voilà. C'est trop bien. Mais la question, c'est, je peux mettre plusieurs tenues sur... Enfin, genre, là, j'ai ma meilleure tenue. Oui. Je peux mettre plusieurs tenues différentes sur la même tenue. Oui, tout à fait. Tout à fait. Trop bien, trop bien. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, absolument. On va faire ça, les gens. Ça s'appelle des planches mirages. Oh, merci pour les habits, merci beaucoup. Ça s'appelle des planches mirages. Allez, où? Ah, c'est là. Je vais voir comment on fait ça. En fait, dans chaque grande ville... Tu viens de quelle ville, à la base? Bagrat, tu viens de Gridania. À Gridania, normalement, t'as ta chambre, quelque part. Il faut que t'ailles parler. Oh, okay. Je crois que c'est vers Mune, vers le début, tu sais. Ouais. Au tout début. Ah, j'ai jamais vu ma chambre, je crois. T'as une chambre et là-bas, tu as ce qu'on appelle une coiffeuse mirage. Ah. Et en fait, dans cette coiffeuse mirage, tu peux éditer ce qu'on appelle des planches mirage. Ah, je vais aller faire ça. Et en fait, avec ces planches mirage-là, bah, en gros, tu peux les appliquer un peu sur ton personnage, un peu de la façon dont tu veux, globalement. Okay. Motherfucker les prismes. Des planches mirage. Assez, je crois. Hein. Voilà. Ok, bah, je vais aller faire ça, moi. Merci tout le monde, merci pour les tips. Si vous avez encore des trucs, je reste là encore un petit coup, n'hésitez pas. Moi, je reste patiente. Et ensuite. Il faut un mentor pour jouer au patience jeu. Patience avant tout. Pour guider, ça me paraît effrayant de jouer au jeu trop grand. Mais non, pas du tout. En vrai, le jeu vraiment te prend bien par la main dès le départ et c'est très progressif en fait. Là, je réponds à toutes les questions parce que j'ai beaucoup d'heures de jeu. Mais en fait, au départ, en fait, tu
comprends rien, tu ne sais rien au départ. Et tu vas apprendre petit à petit, en fait. Bon, j'ai environ, je pense, 800 prismes mirage. Attendez-moi. Donc, merci à tous. Hop. C'est vrai que je vais pouvoir aller teindre mes tenues aussi. Alors, je crois qu'il faut que je fasse une quête pour la teinture. Oui, je crois qu'elle se trouve... Oh, le bait. La quête pour la teinture, il me semble qu'elle se trouve dans le Tanalan occidental... Vers le refuge des sables. Pourquoi je vais par là hein? Tu connais le refuge des sables, Bagheera, normalement. Oui. Voilà, bah c'est par là. C'est sur la place où il y a le refuge des sables, il me semble. C'est quoi ce délire? MV, qu'est-ce qui se passe? Oh, waouh. Non, c'est pas un jeu de cartes, là, quand même, qui fait ça. Attends, si. Je viens de prendre un plus combo au jeu de cartes, j'ai rien compris. T'es où? Je trouve pas le refuge des sables. T'es où, MV? Je suis là où il y a les... Oh, quoi? J'ai tout gagné! J'ai tout retourné, j'ai rien compris! Tu joues en plus ou en identique? Ouais, c'était en plus, j'ai rien compris. C'était incroyable. Non mais plus, en gros, par exemple... En fait, faut juste que les... Oh putain, c'est chiant à expliquer, laisse tomber. mais c'est pas si compliqué en vrai. C'est juste une addition en fait, globalement. Il faut juste que ça additionne la même chose. Voilà. Ok. Et attends, il est où le refuge des sables? Tanalan occidental. Ouais, j'y suis, mais je le vois pas. Tu te TP à horizon, et ensuite c'est à gauche, tu sais, vers Vallée des Pas Perdus, machin, tout ça. Ok. Parce qu'en plus, maintenant, Bagheera, tu peux voler. J'y vais en volant avec grand voilà, plaisir. Tu peux voler maintenant. Oh, quel plaisir! C'est trop bien! C'est parce que t'as fini l'histoire que tu peux voler? J'ai pas compris. Tout à fait, c'est parce qu'elle a fini Rim Reborn, elle peut voler dans les zones de Rim Reborn, tout à fait. Ok. Absolument. C'est Linette petite souris. Pour les 2 mois, Porto Rico, les 8 mois, Gacona, les 5 mois, je singe les 2 mois. Retourne les cartes de la dont la somme des chiffres donne le même résultat sur au moins 2 côtés. J'ai vraiment la musique du jeu, moi. Un conseil sur une classe récolte / artisanat pour devenir riche, s'acheter une maison. Bah, généralement, les classes de récolte, c'est très bien pour faire du fric. Particulièrement... Bon, ça va faire l'histoire, hein. Particulièrement mineur et botaniste. En vrai, ça fait pas mal de blé. Globalement, un peu tout fait du blé. La fiole d'huile de rose. Hop. Alors, de côté qui touche des autres cartes. Oui, on est d'accord. On a cuisiné pour fermer les cookies. Bah, t'avais les cookies à la fin de Shadowbringer, ouais. Je sais pas ce que c'est, moi, comme... Le Forgeron légendaire, bienvenue au Val, départ pour Karn ou en route pour Alatali. Ah, d'accord. Oh oui, puis tu peux avoir 200 millions aucune maison disponible. Bah, c'est mon cas. Là, j'ai 55 millions. Et en fait, là où on veut acheter, c'est-à-dire à Brumé, il n'y a aucune maison de dispo. Ah, mais oui, c'est Ellie, je dois lui amener un truc. Oh, pardon. Tout à fait. C'est quoi qu'on me donne là? Un suricate, j'ai failli vomir, pardon. Dans le chat du jeu, on me dit qu'il faut faire les vents éthérés pour le vol. Oui, bah, je sais bien, mais pas sur Rim Reborn, non. Sur Rim Reborn, t'as pas de vents éthérés. Là, je parlais de... Oh, mais j'en ai déjà un! Il est juste là! Oui, Brumé, c'est le quartier résidentiel de l'Imsalaminsa, tout à fait. Ok, du coup, j'ai ma quête. Normalement, je peux faire des trucs maintenant. Teinture. 55 millions sur ton compte ou dans le jeu? Ah non, dans le jeu, bien sûr, je suis pas aussi pauvre que ça dans la vraie vie. Mais oui, bien sûr. Évidemment. Oh, trop bien. Oh, waouh! Je peux teindre des meubles! Oh, attendez, mais moi aussi, je veux un chapeau comme ça. On est tous ensemble, mais il y a tous des trucs différents. Comment on fait? Oh, vas-y, je vais. Moi, de mon côté, je vais faire le dernier raid, alors dans ce cas. Hein. Je veux un chapeau de poisson-chat, là. J'ai hâte, Corton, c'est un petit donjon, là. Je vais faire des quêtes aussi, hein, pour... Il y a des donjons, là. Tu sais, c'est ceux qui t'amènent trop de XP, là, quand tu fais par jour. Comment? La roulette? Ouais. Et eh ben Ah non, on n'a pas le même, c'est ça? Je n'ai pas compris ta question en fait. Mascotte. Oui, je disais, tu peux pas le faire. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Comment ça, je ne peux pas le faire? Prisme, mais. Non, est-ce que t'avais envie de le faire? Ah, si tu veux. C'est ah, tu veux, brioncher, tu veux qu'on fasse une. Un truc de famille. Une roulette, Bagheera? Bah ouais, de ouf, non? Ok. T'es où? Tu es casse-croûte. Hop là. Non, merde, pardon. Mais t'es déjà dans une équipe, non? Je suis avec MV là. Ouais, bah il faut que tu quittes, sinon je peux pas t'inviter. Ah non, je suis avec. Pas m'énerver. Je te jure, je vais pas m'énerver. Toujours sur les cartes, MV? Oui, non, mais vite fait, hein.
Vous allez faire pipi avant, je crois. Mais moi j'ai beaucoup joué, au Triple Triad dans le jeu. Beaucoup. Mais t'es soute. What the fuck? Mais est-ce que l'équipe est OK? C'est ça ma question, moi. Il me semble que... Il me semble que oui. Ah ouais. Bon bah ça va, alors. Tout va bien. Il me semble que oui. Est-ce qu'il y a des niveaux d'objets différents pour les loots si tu tags en queue alors que si tu montes ton groupe? J'entends niveau pour le même raid. Pas du tout, non. Ça ne change absolument rien, pour le coup. Des cartes de fou. Ça ne change absolument rien. Tu veux que je prépare un Party Finder pour le raid? Non, t'inquiète, Ren. Allez, je vais refaire de la quête principale. Hop. Ah, mais là, en plus, tu vas être complètement du père. Ah bah oui. Tu vas être complètement du père. Ah, mais elle, du coup, je suis spoilé de ce qui va lui arriver. Oh, terrible. Ah, Marota, c'est 1, 4, 7, 1, 2, 3, 1, 7, 3, 1, 4. Du coup, tu veux faire une roulette, Bagarre, faut que vous tu m'entendez? Oui. Oui, ah, Ulfia, oui, bonjour. Bonjour. Ulfia a dit que vous étiez au Gold Saucer aussi. Le prochain Jacta à 40, ils m'ont dit que c'était rigolo. Voilà. Ah merde, je viens de quitter. Bah, là, on va faire un donjon. On va faire un donjon avec Bagheera en vrai. Attends, parce qu'Antoine, j'augmente ton volume. Quoi, dit quoi? Je dis, on va faire un donjon avec Bagheera. Ça marche. Mais on va faire un donjon aux F probablement. Mais ça sera ouais. Remettez-moi ma rota, s'il vous plaît. Bon, bah, bon donjon à vous, du coup. Merci beaucoup. Tu vas faire quoi, Ulfia, toi? Ah oui, tu restes au Gold Saucer. Ouais, mais après, je pense qu'après, je vais un peu avancer. Et, okay. Et puis il y a Chat aussi qui va me rejoindre. On va faire une visite de son appartement qu'elle a bien décoré. Ah, voilà, bien. Quoi, chill. Ok. On vient de me filer un petit panda. Voilà, n'hésitez pas. S'il y a quoi, oh, Ultia, attends, non. Oui, coucou. Bonjour. Je viens de dire quoi? Je disais qu'à 18h40, il y avait un Jacta qui était cool au Gold Saucer. Et comme on m'a dit que vous y étiez, je vous proposais de le faire. Ah, bah tu veux, Antoine, on fait ça avant? Bah, moi je serais chaud pour faire le... Ah, mais c'est dans 2 minutes. Bon, vas-y, on fait le Jacta dans 2 minutes, vas-y. Ah, j'ai une cinématique, moi. Vas-y. Mais ça risque d'être... ça risque de re-être la même chose qu'on vient de faire, que tu viens de faire, Horty, là. Le truc où il faut sauter dégueulasse, là. Moi, j'ai fait le truc où tu dodges et c'est du pif, c'était rigolo. C'est pas ulti. Ah non, c'est aucun pif dans ce dodgeage, MV. Ah non, t'as dit, Ultia. T'as fait Yojimbo, c'est ça? Voltige, oui. C'est le truc qui tombe. Avec les bambous. Avec des zones d'effet. Parle à la lapine. Ah non, c'est pas RNG. Il hein. Faut regarder la façon dont il coupe les bambous. Tout à fait. C'est quoi du coup? Ah non, t'as fait Typhon. J'ai fait un truc dans une arène circulaire avec des mers qui tournent. Ah, t'as fait Typhon. Tu sais, à l'endroit où il y a les gens. Le boss de FF6, Maître Typhon, le boss de FF6. Square du rond-point. Tu sais, il y a une employée du Gold Saucer, tu lui parles et elle va te TP au bon endroit. Ah oui, non, ça c'est RNG pour le coup ce que t'as fait. Au square des spectacles. Et c'est des Typhons. Ah bah ouais, je te vois. Je suis avec Chat. Vous avez plus la main. Casse-croûte. Personne n'a copié-collé la rota. Après, j'allais me faire des tenues, je te montrerai, Ultia. Oh, j'ai pas réussi à retourner au Gold Saucer, c'est pas grave. Je vais faire ma quête. Pum, pum, pum. Ok. Bah, vas-y. Un donjon. Vas-y, oh, vas-y. La scène, pardon. Il y en a Léa, avec des temps géants. Vas-y, dans 2 secondes, là. Dans 2 secondes, ça va se lancer. Ah non, dans il est plus là, Léa. Là, ça va être Yojimbo. Ah non, c'est des quêtes, ça. Si c'est Yojimbo, vous allez me suivez-moi. Je vais vous guider sur où vous placez. Mais c'est où que je dois aller, là? Il faut que tu ailles parler à une employée du Gold Saucer et elle va te TP à l'endroit. Ah non, mais on est tous au même endroit. Il faut attendre que 40 arrive. Et comme ça, le truc, tu pourras tag à cet endroit-là. C'est le zoo, là. Par contre, il va vous TP sur la plateforme circulaire derrière vous. Si vous tombez de cette plateforme, c'est fini. Donc juste, ne tombez pas de la plateforme. Ok. Attendez, j'affronte des petits ziz. Ah, les petits ziz. Ok. Ça s'appelle littéralement comme ça. Ça vaut encore le coup de start ce MMO. Ah, mais de fou. Ah. Ok. Il faut partir. Ah oui, il faut parler au... Il faut parler au PNJ. Et ensuite, il mute tout le monde là, c'est impossible. Ok. S'il y a trop de monde et que tu n'arrives pas à cliquer droit sur le PNJ, faut que tu appuies sur 0 sur ton pavé numérique. Et comme ça sélectionnera la personne en question. Alors, dites-moi tout, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, suivez-moi, je vous explique. Enfin, je vous explique. Je suis là au milieu, là. Je suis là. C'est bon, ouais. Suivez-moi, mettez-vous là. En gros, t'as un gars, il va faire apparaître. Il va faire sortir des gigantesques bambous du sol. Et il va les couper d'une certaine façon, et ils vont tomber, ça va faire des AOE, il faut éviter les AOE. Okay. Et plus tu restes longtemps sur ce truc-là, plus la récompense est grande, on va dire. Okay. Et
Et en fait, bon, là, vu que c'est la première fois que vous le faites, ça risque d'être un peu compliqué, parce qu'en fait, il y a une certaine façon dont il les coupe qui vous dit qu'il faut vous placer ici ou là-bas. Donc je vous conseille de me suivre surtout, globalement, au niveau de mes mouvements. Merde, je... Mais là, il y a un peu de monde, on va pas se mentir que ça peut être compliqué. 1, 2, 3. Il y a possiblement un peu de monde, quoi. 4, 7, 1, 2, 3. C'est quoi une AOE? Une AOE, c'est une attaque de zone qui est dans le jeu, en tout cas, est représentée par une zone orange. 1, 2, 7. C'est rouge. C'est pas orange. Non, c'est orange. Attendez, comment les boutons en bas, là, ils sont rouges, ils sont pas oranges. Ah oui, tout le monde se met au même endroit, là. Oui, t'as raison, c'est juste que vu qu'il y a du jaune dessus. Ah mais, va-t'en, vous avez le film. C'est Tom Nanaki pour les 8 mois, merci beaucoup. Elle doit être en quête, je pense. Ah, mais toi aussi, tu fais ces saloperies? Mais je pense qu'elle est là, elle est mute, elle doit être en cutscene. Hortense, oui. Ouais. Vadim Kroot. Ok, surtout nous. Attention, ça va commencer. Ça va commencer. Ok. Et la musique, et la musique, c'est Clash on the Big Bridge de FF5 pour les aficionados, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi tout le monde est au même endroit? Parce que c'est le meilleur endroit pour commencer, globalement. Ok. Ok. Bon, vous me voyez? Je suis là. Hein. Ouais. Vous me voyez? Vous me suivez? Ouais, bah c'est dur de te voir, mais ouais. Et ouais. Vous voulez quoi, lui? Attention. Au début, ça va être facile, et ensuite, ça va être de plus en plus difficile. Ok. You got the touch! Ok. Début de la mission. J'ai peur! Ok. Restez là! Ne bougez pas! Oui. Ok. Ouais! Okay. Ah oui, il a coupé en rond, d'accord. Ok. Bougez pas, reculez-vous un tout petit peu. Voilà. Maintenant, venez par ici. Par ici. Par ici. T'es où? Non, revenez là où on était au départ. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Non, j'ai été éjecté. Oh non. Alors là, Bagheera va y avoir 4 petits tas d'or. Il va invoquer son chien. Tu choisis un tas d'or, mais si le chien se tourne vers toi, barre-toi. Ok. Il faut que tu prennes un des petits tas d'or. Mais c'est de la merde. Pourquoi ça veut pas? Ça veut pas? Ok, bah tant pis, je n'aurai pas de tas d'or ici. Il y a trop de monde. Parce que je... Ah, Antoine, il nous a feinté. Mais non, je vous ai pas feinté. J'ai pas eu d'or, hein. Oui, moi non plus, c'est pas grave, il y avait trop de monde. Reviens là où tout le monde est. Ouais. Attention. Attention. Reste là. Recule-toi un tout petit peu, un tout petit peu à droite. Ok, on va par ici. Il y a des slots de matériel. Je comprends quand il coupe. Ok, par là. Ok, maintenant ici, qu'est-ce qu'il va faire? J'aime trop cette musique. Reste là où t'es. Hop, décale-toi un peu. Ouais, décale-toi un peu à droite. Boum, ok. Et ça, je vois tellement pas. C'est le moment RNG du truc. Il y aura 3 parties du plateau qui vont être... Enfin, ça va être séparé en 3. Il y en a une où il y a le chien. Si tu tombes sur celle du chien, t'es éjecté. Tu tombes sur le tas d'or, tu gagnes de l'or. Tu tombes sur rien, tu restes, mais t'as pas gagné l'or. Moi, je suis dessous, là. Ah non. Ça ne sert à rien de retenir où étaient les trucs. Ah oui, effectivement. Tu te mets au pif quelque part. Ouah. Moi, je me mets là. Je suis allé dedans, hein. Tu te mets sur une des 3 parties du truc. Et tu ne peux plus bouger. Je suis mort. Oh yes. Je suis mort. J'ai de l'or. Non. Je suis mort. Ok, Bagheera, je vais te guider. Ok, mets-toi là où il y a le monde. Ok. Ok. Décale-toi un peu à droite. Un peu à droite. Ok, c'est bien. Reste là au centre, là, voilà où il y a le monde. Ok, reste un peu... Ah, va à droite, un peu à droite. Ok, c'est nickel. Bon. Reste bien au centre. À gauche. C'est bon. Bien joué. Je Attention. Défonce tellement plein de petits ziz. T'es dans la merde. Bon courage. C'est fini, mais 6000 balles. Bien joué. Waouh, bravo. Oh, merci Antoine, hein, parce que moi pour le coup... Bien joué, bien joué. Voilà. C'était intense, c'est trop cool. C'était trop bien ce jeu. Ah oui, c'était marrant en vrai. Il est très bien, mais... Mais je suis pas resté longtemps. Oui, tu n'es pas resté, hélas, très longtemps. Hélas.
Oui, bah construis ta maison, il me fait pas chier. Qu'est-ce qui se passe, MV? Qu'est-ce qui se passe, MV? Les interactions avec des PNJ, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Construis ta maison et fais-moi pas chier. Vas-y, je t'invite dans l'équipe, Bagheera, on va faire... Bonjour, des salut, le tien. Bye-bye. Bisous, bisous. Oh, mon le panda roumon. Du coup, on fait un donjon au pif? Ouais, bah celui de la roulette, non? Bah en fait, il y a plusieurs roulettes différentes, en fait. Donc on va faire gain de niveau, comme ça, je vais pouvoir monter mon moine également. Vas-y. Mon moine qui est niveau 53 pour l'instant. Parce que je rappelle effectivement que dans ce jeu-là, toutes les classes, tous les jobs se font à partir du même personnage. Tu n'as pas besoin de reroll un personnage, tu n'as pas besoin de recréer un personnage. Tout se fait directement depuis un seul et même personnage. De l'infini. Moi, là, c'est ce que j'ai. Par exemple, en haut, j'ai mes raccourcis pour changer de classe à n'importe laquelle que je veux. Celle que j'ai, etc. T'as pas besoin de faire un reroll ou quoi. Il est où ce con du con? T'as pas besoin parce que sur d'autres MMO, tu dois faire ça. Tu dois choisir ta classe et voilà quoi. Le petit Ziz. Tous les gens qui sont, je dirais, on passait trop de temps Gold Saucer. En vrai, c'est cool le Gold Saucer. Bah, Gold Saucer, maintenant, j'ai plus rien à y acheter en vrai. Du coup, j'ai un peu plus. Moi, j'ai acheté des arbres, je vous ai pas montré le chat. Attendez, regardez comme elle est jolie celle-là. Elle s'allume quand je m'attends. Comment tu fais pour mettre les raccourcis pour changer de classe? Bah, c'est un peu comme tout, globalement. Bon, ce que je vais vous montrer fait peur. Mais en gros, c'est l'ATH. Et ça vous permet de moduler en gros tout ce qu'il y a sur votre écran. Moi, j'ai gardé les trucs en bas comme ça. Et là, j'ai décidé qu'il y avait des barres de raccourcis pour mes trucs en haut à droite comme ça. Regardez comme elle est belle mon arme là, c'est trop stylé hein. Ah dingue, oh non, oh non, la tête de mon pandarou est fendue en deux par mon épaulette, c'est horrible. C'est horrible, on peut pas regarder ça. Non. Ça fait trop peur ça. Alors Mune, elle m'a dit que c'était où ma chambre? Attends, Mune? Non, je sais pas si c'est à Mune directement, mais je crois que c'est dans ce coin qu'elle est la chambre de Gridania. Moi, j'ai pas de chambre à Gridania. Ah si, j'en ai une, pardon, j'ai de la merde, mais j'y suis jamais allé. Vu que moi j'allais souvent plutôt à Ulda. Je suis jamais allé dans ma chambre donc je sais pas. Des trucs positionnels avec le moine. Attends. Mon chat va me dire. J'ai jamais fait la course de chocobo au Gold Saucer moi. C'est rigolo. En vrai ça va, la course de chocobo c'est assez ok. Moi j'aime bien le petit truc où tu tires sur des trucs. On me dit c'est à droite de Mune. Il s'appelle Aubergiste le PNJ. Aubergiste. Okay. Ah oui, il y a des trucs de posture mais j'ai pas vu de trucs de position. J'ai vu que des streamers ils jouent en coop, mais le jeu est-il bien pour quand on joue solo ou complètement asocial? Tout à fait, moi j'ai fait toute la MSQ quasiment en solo, sauf la dernière extension que j'ai fait avec un ami. Et mais je l'ai fait full solo, et comment dire, il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. Et d'autant plus que maintenant, en tout cas tout le Rim Reborn, tu peux tout faire même sans jouer, même avec des randoms. C'est-à-dire que tu peux faire tous les donjons et tous les défis avec des PNJ. Globalement. Ah, je dois transformer mes vêtements. Oui. Alors, excuse-moi, je dois transformer mes vêtements avant d'aller dans le truc pour les trucs Mirage, en fait. Je peux pas faire quelque chose, mais si, on est en train de tag justement pour un donjon, mais c'est juste que là, on est en queue du coup. On est en queue pour une roulette. Dans cette icône-là, c'est pour les bestiaires, là, non? Je les tabasse, quoi. C'est ça, les gens, je dois transformer mes objets avant? Et il faut que tu les. C'est sur ta coiffeuse Mirage? Ouais. Oui, il faut que tu les mettes dans ta coiffeuse Mirage. Et ensuite, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, MV? Non, je crois que l'icône triangulaire à côté des ennemis, c'est t'en tabasses certains pour qu'ils rentrent dans le bestiaire, là. Enfin, c'est des quêtes de bestiaire, je crois. Oui, t'as des quêtes de bestiaire. Oh, je vais pas aller là. Ensuite, pour être honnête, je suis tellement overlevel par rapport à là où je dois être. C'est plus parce que j'ai fait des dingueries avec les autres, je crois. Stalk des sylphes. Autant tout transformer. Salut, petite question. Je suis un joueur de World of Warcraft et je n'étais que dans les quêtes sur WoW. C'est la course au Mega Raid Mythique plus, tout ça. Est-ce que dans Final Fantasy, nous sommes obligés de faire les donjons et raids pour avancer dans le jeu? Eh bien, ça se fait. On peut juste enjoy le jeu qu'avec les quêtes. Ah, tu peux juste enjoy le jeu qu'avec les quêtes, ça, aucun problème. Comme je disais au début du stream, c'est plus un RPG MMO qu'un MMORPG globalement. Et du coup, l'aspect vraiment JRPG, on va dire, le. L'élément central du jeu, c'est vraiment son scénar, c'est sa story. Et ce qui est assez rare pour un MMO. Ça veut pas dire qu'il y en a pas sur les autres, etc. Mais là, c'est vraiment l'élément le plus central. Ah, c'est un autre symbole. Et du coup, voilà quoi. Et il y a plein de donjons obligatoires dans la MSQ. Il y en a plein. La plupart des donjons sont en MSQ. Oui. Je trouve ça quand même dommage de jouer solo, mais je peux comprendre. Bah, si tu veux ne pas jouer solo, tu ne joues pas solo, en fait. Mais si tu veux jouer solo, tu as cette possibilité, c'est tout. Tout, en fait. Ensuite, oui, t'as des trucs super cool à faire. Après, les gros raids et compagnie, c'est... Ah, bien sûr, tout à fait, t'as beaucoup de contenu, même HL, assez vénère. On pense aux Savage, aux Extrêmes,
irréel. C'est différents types de combats qui sont très, comment dire, exigeants. Ah, donc, voilà. Un enfant. Donc là, on fait un petit donjon au pif avec Bagheera. Let's go. Au pif. Petite sakep. Ah, le manoir des Hawks. Le manoir des Hawks. Qui est probablement un des meilleurs donjons du début du jeu, on va dire. Parce que les donjons du début du jeu... Il y a eu des reworks assez sympas, ceci dit. Ouais, il y en a des ok, hein. Il y en a des ok. Mais il y en a qui sont vraiment assez horribles. Encore maintenant, je pense à la forteresse de Tzemael, qui est pour moi le pire donjon du jeu. On aurait dû prendre MB avec nous dans le donjon. C'est un donjon niveau... Je sais plus combien. Manoir des Hawks. Assez bas. Ah oui, il aurait pu le faire. Moi. Je me suis plus battu depuis 2 mois, genre. Ça va revenir. En plus, là, t'as moins de spells. Ah oui, effectivement. T'as moins de spells. Ah oui, j'en ai beaucoup moins, ouais. Ok. Oui, niveau Totorak est assez cool, effectivement. Je sais pas si le tank connaît ou pas l'endroit. C'est par ici qu'il faut aller, en tout cas. Attends, on attend quelqu'un encore. Oui, je sais, mais je montre le chemin. Je montre juste le chemin. À Valdorum et Pierre, ça se bat, hein. Franchement, ça se bat les deux. Hein. Ça se bat tranquille. Hein. Ah, j'ai quand même déjà tout ça dès le départ, quand même, avec le... Je récupère la petite clé. Oh tranquille. Non, elle est trop mignonne, la petite truc là. La tâche du tapis. Ouais. Hop. La tâche du tapis est trop mignonne, c'est ça que tu dis? Oui. Oula. C'est le nom d'un mob. Ah! Le mob s'appelle tâche du tapis. Praetorium pour les cinématiques interminables. Ils ont allégé de fou Praetorium et Castrum Meridianum. Hein. C'est toi. Je sais plus me battre, moi. Je l'ai refait avec... parce que du coup, Bagheera a fait hors stream la MSQ, elle a fini Rim Reborn. Et du coup, j'ai fait avec elle Praetorium et Castrum Meridianum, mais ils l'ont grave allégé. Hein. Une bataille. Allégé. Bataille et fontaine, let's go! Bataille et fontaine. Ah, je suis synchronisé 7 niveaux en dessous. Bah, je pense que t'es un peu overlevel en vrai. Après, si tu fais les aléas et tout, c'est normal, hein, là, pour le coup. Oui, c'est ça. En vrai, globalement, si tu fais juste la main quest, normalement, t'as le niveau un peu parfait, on va dire, pour avancer là où t'es. Mais si tu fais plein de petites parenthèses à droite à gauche, en fait, tu vas être très vite overlevel. Mais le jeu te synchronise, de toute façon. Le jeu te synchronise. C'est ton niveau de... En vrai, le niveau d'objet est plus important que ton niveau dans le jeu, on va dire. Ah, Palimo. Oh putain, mais j'avais oublié ces persos d'un autre âge. Oui, il y a ça aussi. Palimo. Et Ida. Je rapprends le jeu là. Aïda, putain. C'est old, giga old. C'est old, putain. Ah oui, c'est... Oh là là. C'est très très old. Oh, musique. 1, 7. Non, 1, 4, 7. 1, 2, 3. La rota de l'enfer. Ok. On a de quoi la déverrouiller ? Oui, j'ai récupéré la petite clé. Nickel. Au calme. Là, il y a une autre là-bas. Oui. Mais je crois qu'elle sert à rien. Allô ? Oui ? Vous m'entendez, vous ? Oui ? Ah oui, vous m'entendez ? Bah, sur mon stream, on m'entend plus. Ah ! Ah ! Merde ! Ils me disent c'est bon, là. Un moment, ok, j'ai rien compris. Attendez, je réessaye. Vas-y, il fallait la clé, regarde. Ah non. C'est bon, Hortense ? On t'entend sur ton stream ? Bah oui, ça... Ouais, je me suis démute Discord et c'est revenu sur mon stream. Bizarre. Bon, bah écoutez. Mais remute-toi Discord et revois. Ah oui, ok, vas-y. Ah, il a pas le set. Ça ne sert à rien d'aller là, pourquoi il va là? Parce qu'il est idiot. Mais pourquoi il y a un mort-ball? Il y a un mort-ball. Et bah quoi, c'est quoi le problème avec le fait qu'il y a un mort-ball? Ah, mais il était où mon truc pour générer du... Ah, mais j'ai ça. Un truc pour générer les... Motherfucker! Oui, Cap Vendouest, c'est fini maintenant, c'est un défi solo, Ritatine. Qui est d'ailleurs assez dur, apparemment. Ah, c'est exigeant. C'est quoi le truc qui me donnait des stacks? Hop. Méditation. C'est ça que j'ai oublié de faire. Merde, j'ai pris l'aggro, je suis un teubé. Ouais, ça m'a étonné de ta part. Mais bon. Après, ça va, c'est un mob tout seul, tranquille, au calme. Y'a pas de problème. Mais je peux stack à l'infini. Elle est où, la super, la spéciale? J'ai compris le bug, mais j'ai pas compris pourquoi le bug. En gros, ça me mute sur mon stream quand je mute l'entrée de Discord. Ah mais bon. Pas mon micro, hein. Attends. Mais qu'est-ce que c'est que tes bidouilles? Mais qu'est-ce que c'est, bidouilles? Ça fait toutes ces bidouilles bizarres, quand même. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tous ces mêmes sur moi. À plus tard. Putain. Pourquoi?
Bagarre joue Chevalier Dragon, il me semble, qui est un DPS oui. De corps à corps. Absolument. Effectivement. Le truc où tout le monde dit c'est un peu moyen, mais moi j'aime bien. Non, c'est pas que c'est pas moyen, c'est une bonne classe, mais c'est juste que Chevalier Dragon, c'est... Il y a des chances que... Que je tombe. Hein. Ce qui on va pas se mentir que c'est la classe la plus croûtesque, on va dire, du, du jeu. Écoute. Vraiment, ça ira très bien, tu vois. Mais ce qui est drôle, c'est que... En vrai, par contre, pour les AOE et tout, c'est assez cool. Parce que du coup, quand j'ai tous mes sorts de saut et tout, ça me permet d'éviter pas mal de trucs. Oui, oui, bien sûr. Des fois, j'ai l'air con parce que je me tourne dans le mauvais sens et je fais un gros saut et... Mais voilà, mais... Faut aller en arrière, si jamais. Il faut récupérer... Faut aller en arrière. Bizarre, bizarre, bizarre. Par ici, messieurs, dames. Bagarre ? Oui, j'arrive ! Tu n'es pas obligé de rester à côté du coffre pour checker. Oui, je sais, mais j'ai chaque fois envie, je sais pas, c'est un peu RP, tu vois. Bien sûr. Bon, là, normalement, il faut sauter au-dessus de la barrière. C'est bon, le temps que connaît. Parfait. Ah oui, c'est vrai, c'est le petit saut dans le vide. Tout à fait. Donc, le temps que je pense, c'est pas la première fois qu'il le fait. Sinon, il aurait pas fait ça. Non, mais Chevalier Dragon, c'est cool en vrai, hein. C'est une bonne classe. Y a pas de mauvaise classe dans le jeu. Souvent, je dis qu'érudit, j'aime pas trop ça, mais. Ah, j'ai compris. J'ai un autre enchaînement que j'avais pas vu. C'est légèrement du troll, on va pas se mentir. Je sais pas pourquoi j'ai récupéré ça, ça ne sert à rien. Si je fais ça, ça marche. Ah non. Mais mage rouge peut sauter aussi, effectivement. Hop là. Étrange, étrange. J'ai loupé une info. Tu fais la MSU, c'est ça, MV? Ouais. Ok, ok. Et ouais, comme je te disais, en PV, en privé, je suis sûr que... Mais bon, voilà, c'est très chronophage, tout ça, mais c'est un jeu que, qui ouais. Te plairait énormément, j'en suis certain. Connaissant et connaissant tes goûts, MV. Ah oui, je sais, je sais. 100%. 100%. Merde. Ça me donne envie de reprendre en off. C'est vrai que j'ai du temps de jouer off-stream, parce que sinon j'aime bien le faire on-stream, mais c'est épuisant parce que je double tous les personnages. Bah, en fait, le problème de faire la MSU en stream, c'est que tu fais tout un peu façon blague, etc. Et moi, justement, c'est ce que j'ai voulu éviter, c'est pour ça que je me suis vraiment immergé dedans et ça a été la claque, hein, vraiment. C'est pour ça que moi, j'ai laissé tomber les voix. Hein. Ouais, moi, c'est pour ça que je vais faire tout fait pendant très longtemps et que là, je vais arrêter de faire l'histoire, je pense, en stream. C'est pour ça que Bagarre a continué hors stream. Ouais. C'est quand tu veux, Bagarre, en vrai. Moi, c'est un plaisir. De ouf. Je dois aller nommer. Sauf que là, tu vas arriver bientôt. T'as fait le moins bon du jeu, pour l'instant, on va dire. Ouais, là, j'ai rien continué pour l'instant depuis que je suis passé 50, mais là, j'ai envie. Pas trop le temps, on va pas se mentir. Ouais, bien sûr. Hop là. Ok. Je peux vous dire que j'ai vécu un moment d'émotion quand ma aventure elle a commencé à voler, là. Oui, bien sûr. Mmh. Il faut ouvrir cette porte. Hop, buter les mobs, récupérer la clé. Puis Cassos. Juste envie de tabasser des gros Ziz là. Les e-sporteurs. Ah. Non, des petits Ziz. MV féministe. Tout à fait. Finalement. Quel allié. Quel allié. Quel allié. C'est ça. Oh, Zizar trash. Les Ziz. Zizar trash. Notol Ziz. C'est vraiment un très bon nom de mob Ziz quand même. Let's go. Non, Bax a pas fait le banquet encore. Ah, là, non, elle ne sait pas encore. She doesn't know yet. Vous pouvez pas mettre mon 7 sur le morbol. Oula. Porte de l'œillet. On ouvre. Oui, Aléa. J'arrête tout. Focus le boss de droite. Et où? Regardez mon petit hérisson là. Oh là là. Fake news. Tac 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 tac. C'est Sonic. Hop là. Le bouffe. Son 7, le chiffre 7. Ne vous méprenez pas. Non, parce que mon chat te dit son quoi. Il a mis son quoi. Ok. Son 7. Enfin, ah oui, synchro, j'ai mis mon synchro. Mis je crois. Tu comprends pas le chiffre entre pas. 6 et 8. 7. T'es où? J'ai bon. Y'a aucun ennemi violet. Ouais, peut-être Monsieur. Oui, j'ai déjà fait Rathalos. Y'a un partenariat, effectivement, avec Monster Hunter. Quoi, on peut buter des Rathalos? T'as un boss du jeu, c'est le Rathalos. Et incroyable. Mais c'est un boss optionnel de Stormblood, deuxième extension. Ah si, voilà, ils sont violets. Et oui, bien. Ils ont fait un partenariat avec. Et tu peux avoir aussi la mascotte, c'est le petit chat là de. Comment il s'appelle? Ah oui, les Felvin. Tu peux avoir ça. Et tu peux du coup avoir la monture Rathalos hein, dans le jeu, du coup. Ouais, ça j'en ai vu.
Vas-y, je veux buter un Rathalos. Ah, le palico, c'est ça. Hop là. Oui, les Felvin, c'est la race. Mais il nique tout mon aléar. Allez-vous-en. Hop là, faut prendre le flux éthéré, baga. Et on est bon. Le flux, hein. Mais le flux oublié. Éthéré, faut que tu fasses clic droit sur flux éthéré. Je suis où, moi? Tac, tac, tac. Je suis personne, la vie de mamie. Baga, t'es où? Ah, ok, faut que tu montes les escaliers. Je suis là, pardon. T'inquiète, aucun problème. Bon, on va arriver au boss de fin du donjon. Trop chaud! Qui a changé d'ailleurs, et qui est beaucoup mieux qu'avant, qui était vraiment assez infâme. Hop là. Oh, j'aurais mon. Je pourrais lui donner mon gros coup là. Ah oui, là, tu pourras faire une transcendance, mais ça serait plutôt à moi de. Ah non, non, tu peux la faire, pardon. Non, mais sinon, tu la fais, hein, mais je le vis bien. Hein. Non, vas-y, fais-la, y'a pas de soucis. Continue. Non, c'est juste que vu que je suis DPS, mais enfin DPS de corps à corps, mais vu que toi aussi, c'est bon, ça change rien. Mais d'ailleurs, Baga, je te conseillerais sincèrement de prendre l'option qui fait que tu ne fais pas les cinématiques en fait à chaque fois sur les trucs que t'as déjà fait. Ah ouais, ok. Je vais regarder ça. Je te conseille. Y a pas une touche pour être en vision subjective, je sais plus. Si, y en a une. Putain, c'est quoi déjà la touche? J'ai oublié c'est quoi la touche, les gens, vous pouvez me le dire s'il vous plaît. Le bullying. Oh, j'ai une migraine d'un coup là. Oh non, arrête, non. Ça m'a pris d'un coup. Arrête, c'est touche début, la touche début de ton clavier. Début, ah yes, merci beaucoup. C'est ça. Ne le regarde pas. Oh les petits zizz. C'est bon. Au calme. Dans le chat, c'est quoi cet emote? Quel emote? On lui défonce la gueule là, non? Ouais, bute la servante. Ah. Ouais, faut toujours buter les ads. Oui, je l'avais juste pas vu. Est-ce que j'ai raison de défoncer ce petit Ziz? Je sais pas, mec. Hein. Ah, la Mintos TV. La Mintos qui a fait full le jeu, non? Il ne pas, Mintos. Je sais pas. Bah, il était en vocal avec Ben tout à l'heure. Oh putain. Oh, quelle idée. Il fait des choix douteux. Hein. Bizarre les choix. Oui. Ok, ne le regarde pas. Je suis baisé. Ah, ça sert à rien. Regarde pas. Tourne-toi. C'est bon, ça il est où mon pandarou? Ah, il est là. Tout va bien, j'ai le pandarou. Faut que j'aille vers le truc rouge. Pas du tout. Ça, vraiment, faut pas que t'ailles dessus du tout. Ok. C'est ce qu'on appelle. Si, c'est. T'as le rassemblement. Je peux transcender? Vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi. Attends, j'y vais. Dépêche-toi. Je n'attaque plus. Paf ! Bien joué. Non, ça, c'est ce qu'on appelle un tank buster, ce que tu viens de voir, et c'est vraiment une attaque que seul le ou les tanks doivent prendre. Et c'est ultra violent, faut vraiment pas que t'ailles dessus. Mais par contre, t'as un truc qui ressemble un peu à ça, qui s'appelle un rassemblement, où t'as 4 flèches orange. C'est ça que j'ai compris. Et globalement, là, on doit se rassembler avec le plus de monde possible. Ah, ça manque, là, un bon gros raid qui tâche, mais c'est pas avec Podrick que je peux faire ça. Ah non, hélas. Hélas, non. Ah, t'avais fait les raids Eden, c'est ça? Ouais, entre autres, ouais, j'ai fait pas mal de choses, en vrai. Vous êtes trop loin de moi, le groupe, pour les pauses, là. Moi, je me suis barré. Oui, mais ils sont loin, au loin. Je me suis barré. C'est bien les gros fights. Bah, d'ailleurs, autour en Gridania. Je vais faire le dernier raid, d'ailleurs. Bon, en fait, je suis derrière Orti, un petit peu, je pense. T'as quel niveau, MV? Oui, je pense que c'est derrière Orti, oui. Bah là, j'étais élevé dans le village des Sylphes à la con, et là, je vais à la Nord. Ouais. Je retourne en Nouvelle-Gridania pour continuer. Voilà. Et vu que tout à l'heure, Orti était à Gridania, j'imagine que je suis un peu derrière. Bon, en vrai, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais tout transformer en mirage, vu que vous m'en avez donné 150 000. Vas-y, je vais faire le dernier raid de mon côté. Le raid 24. Si vous avez un petit mili qui traîne, les viewers, n'hésitez pas. Hein. T'as différents types de raids dans le jeu. T'as les raids qui sont des raids de boss, on va dire, qui sont des raids à 8 personnes, et t'as des raids... qui sont en gros des enchaînements de boss et qui sont des raids à 24 joueurs. Et là, je vais faire le dernier qui est sorti. Ça fait un petit bout de temps. Oh, j'ai hâte de me faire des petites tenues là. Ok, bro. C'est quoi le niveau max? C'est niveau 90 à l'heure actuelle. En gros, c'est 10 niveaux par extension. En fait, je répare, mais le reste des trucs pour aller transformer en mirage. Yannia. Très stylé cette monture, Antoine, c'est laquelle? Alors, je ne peux vraiment pas te dire comment j'ai obtenu cette monture sans extrêmement te spoiler le scénar du jeu. Oula! Oui, non, évite. Donc, vraiment, je ne peux vraiment pas te dire. Mais oui, elle est très cool, oui.
On va dire que c'est l'extrême du deuxième boss de la dernière extension, on va dire. Est-ce que je pourrais changer leur couleur là ou pas? Oh, j'ai pas harmonisé, ça rase de Zemmour. Ok. Ce n'est pas grave. Oh, je suis trop contente de me faire une petite tenue là, vraiment. Pourquoi ça vous énerve mon interface? J'ai fait exprès de mettre la vieille interface parce que je trouve ça trop stylé. J'ai plus ma Samoa et ma Samoa elle avait été relookée par Misha, bien sûr, spécialiste du relooking. Depuis que ton perso pseudo, etc., se connu du public, il n'y a pas eu trop de relooks. Ils sont venus te parler aggro, je sais pas quoi, in-game. Bon, non, ça va, de toute façon, mon nom dans le jeu, c'est Antoine Daniel. Donc déjà, c'était Louz à la base, en fait. Juste Louz à la base. Quel choix. Par contre, ça prend du temps de te transformer en Mirage, hein. Oh, allez, les gens. En plus, t'avais commencé plus ou moins quand j'avais commencé ce perso-là, toi, Antoine. Ouais, j'avais, j'avais commencé le jeu en 2013, pour être tout à fait honnête, et j'avais fait quasiment tout Rim Reborn, mais j'avais arrêté pendant des années, et j'ai repris en 2019, début 2019, et ouais, c'était plus ou moins, j'étais déjà quand même assez loin, on va dire, au moment où on s'était croisé dans le jeu, mais ça faisait pas si longtemps, effectivement. D'accord, ok. Je pourrais pas transformer ce que j'ai... Trop de bruit, là. Sur moi, non? Allez, c'est parti. Moi, je transforme tout, là. Le Red 24. On est parti pour 45 minutes, à peu près. Ah oui, adieu, une antilope biche. Ça va être bien. Ça va être très bien. Ah, c'est toi, Remember le tank. Merveilleux. Attends, pourquoi elles ont cette icône-là, les antilopes biches? Est-ce que je dois génocider les antilopes biches? Oui, alors souvent, quand il y a un truc dessus, c'est pour... c'est dommage. En vrai, fais pas les quêtes secondaires, ça va... Mais le fonctionnement pattern et tout, des ennemis slash boss, comment tu le comprends? Le jeu te l'explique directement avant le donjon? C'est par l'expérience que tu le sais. Les mécaniques, ils te les apprennent progressivement. Mais parfois, tu peux être surpris de certains trucs, effectivement. La première fois que tu fais un truc, bah tu défriches, globalement. Ils vont en train de tuer des antilopes. Tu fais de la déduction ou ce genre de trucs. Bon, elles sont ok, les antilopes biches. En cours, j'ai tout! Antoine Daniel qui veut pas spoil les extensions et qui lance à glace. C'est du contenu optionnel! En bas? Du contenu optionnel. Ce que je porte, c'est en bleu ou bien? C'est qui qu'il faut tuer, des antilopes biches? Non. Ah, il veut absolument tuer des antilopes biches depuis tout à l'heure. Il y a un aléa, mais je le cours pas. Ok, c'est tout transformé. Maintenant, on va se faire des tenues, mais j'ai pas grand chose en vrai. Hein. Alors. Et j'ai 5 ou ah. De toute façon, maintenant, lui, ça devrait aller plus vite. Maintenant, le niveau d'objet est quand même assez... Faut tuer des conspirateurs, c'est énorme. Enfin, la musique du dernier boss ici, c'est un banger, absolument. Je couperai le vocal et je mettrai la zik très fort à ce moment-là. Je vais pas agrandir ça. Ok, le chat. J'ai trouvé leur repère. Et on se fait quoi comme première tenue thématique? Ça vous dit quoi? Alors... J'ai rien de très très mime, ça, on va pas s'en... Ah, le petit béret. Oh, on va se faire une petite tenue comme ça. Attends, non, je dois déjà me faire une planche pour pour ma tenue on de plage. Prend 4. Ils ont tué tout le monde. Oh, oh. Hop là. Il existe des modes 1vs boss. Pas vraiment. Dans la MSQ, t'as ce qu'on appelle des défis. Et même dans tes quêtes de classe, t'as ce qu'on appelle des défis, c'est des trucs en solo. Mais du 1vs boss, non. Attends, là-bas. Ah si, tu peux avoir ça dans certains autres trucs un peu plus tard dans le jeu, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Globalement, t'as pas vraiment cette feature. Allez, on est bien là, le chat, on est bien. Et le carnaval du mage bleu. Ah si, le mage bleu, oui, le mage bleu. Le mage bleu, je dois mettre, j'ai jamais touché, alors je sais que c'est banger, mais... Faut des chaussures quand même. Moi j'ai tellement rien joué. Hein. Si j'ai essayé une fois healer, ça avait été une catastrophe. En vrai, c'est pas tant aussi vénère que ça, healer, hein, ça va. probablement. En vrai, ça va. Hein, moi, ah je ouais, trouve. Le petit choker là. Moi je pense que c'est ce que je préfère jouer healer dans le jeu. Même si ma main class c'est un truc de DPS. Ouais, mais on m'avait fait jouer healer direct dans des raids ou des boss vénères. Moi j'ai vu. Ah oui. Faut apprendre progressivement. Oui, bien sûr. On a notre tenue de place, les gens, c'est bon. En plus, alors... optimisé en mettant du DPS, hein, terrible. On avait dit le béret. Ça termine jamais, cette aléa, c'est une atrocité.
12 minutes. Oh, je m'en vais. Trop stylé, ça, non? Non, il dure pas 12 minutes, là, les AMV. C'est juste, t'as 12 minutes pour le faire. Ah. Je sais pas, en fait, on tue tellement vite les gens qu'on attend des respawns, là. Non, mais t'inquiète. Oh, je vais tuer des antilopes biches en attendant. Ah, mais y'en a un, là. Il y a un système de plugin add-on comme sur WoW. Alors, tu te doutes bien qu'en OP, je ne peux pas trop parler de ça. Hélas. C'est mieux avec les petits gants comme ça, non? Renseigne-toi, hein, si tu veux le désir. On vit tous une autre épopée, là. La MSQ dure combien de temps, plus ou moins? Merci. Très longtemps, des centaines d'heures. Des centaines et des centaines d'heures. C'est très long. Pour finir, la MSQ, si tu ne fais que ça, c'est très très long. Et encore, c'est un peu raccourci parce que... Ils ont raccourci le... Très légèrement raccourci. Le oui. Marathon de, ouais, de Realm Reborn. Les 104 de, les 104 de la honte, comme on les appelait. Oui. Oui, oui, ça a été raccourci, mais tout de même, c'est quand même très long. Mais tout de même. Tout de même, c'est très long. Un conspirateur! Ah, j'ai envie de mettre les grandes jambières, en fait. Ah ouais. On est d'accord, là. Là. Je vais aller, on va aller acheter des tenues après, les gens, vous inquiétez pas. J'aurais pas dû faire l'aléa, il se termine jamais. Je fais déjà 2-3 trucs et ensuite... Pas du bon contenu, là. Remember, pourquoi t'as de vulné sur toi? Pourquoi tu joues mal au jeu, Remember? What the fuck? Plus vraiment, niveau XP, ça m'apporte rien, tout ça. Vous voulez qu'on aille acheter des habits, peut-être? Avant? J'ai envie de m'en aller, mais j'ai envie qu'il se termine. Et tu peux quitter la zone une fois que t'as participé à l'aléa, non? Tu gagneras quand même le truc ou pas? Tu gagneras une récompense, mais qui sera moindre. Faut que je teigne ça. Antoine, faut que je mette la oui, saignée, oui, Bagara. Hein. Lorsque j'ai mis un habit sur une planche mirage, je peux le teindre après ou faut que je teigne avant? Il me semble que tu peux le teindre quand il est sur la plage mirage. La planche mirage. La planche mirage, okay, pardon. Okay. Oui, oui. Normalement, il n'y a pas de. Tu peux faire les deux en vrai, ouais. Ah, je peux quitter. Ouais, ok. Oh, okay. Le full lose, là, j'aime trop. Je termine juste eux là. Faut juste que je teigne les trucs, quoi. Au calme. J'aurais essayé le jeu comme premier MMO. Est-ce que le free trial du jeu vaut le coup ou faut-il que je baille le jeu direct? Non, non, le free trial vaut vraiment, vraiment le coup. C'est sans aucune limite de temps. C'est-à-dire que tu peux jouer des milliers et des milliers d'heures sans aucun problème. C'est une offre. Je m'en vais. À durée illimitée. Ah, voilà. Donc c'est forever comme ça. C'est jusqu'au niveau 60. Et c'est du coup tout le début du jeu, donc tout Rim Reborn, plus la première extension du jeu, Heaven Sword. Donc en vrai, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Ouais. C'est quoi le saut des immortels, là? Pourquoi j'ai gagné des sauts des immortels? Je sais plus ce que c'est. Oh, elle a son petit flow, là, quand même, en vrai. Pardon, vivement que je puisse pimper Podrick. Ah ouais, moi, là, c'est bon, hein. je vais faire que ça. Hein. Non, mais Podrick, il est déjà cursed de base, hein, hélas. Hein. Ah, hélas, oui. Hélas, il est cursed. Cette lana, c'est sublime, cette lana, là. Avec ses petites lunettes de secrétaire. Je voudrais un petit débardeur avec ça, là, j'ai pas. Puscaron. J'avais fait référence à ce personnage dans un Whatbacker. J'ai assez d'argent, oui, j'ai 1 million. Tu sais où que je peux acheter les meilleurs habits? Ça veut dire quoi, cette phrase? C'est qu'il y a des trucs stylés de ouf. Bah, c'est pas des trucs que t'achètes généralement, les trucs stylés. Non, mais stylés, genre moderne. Comment ça, moderne? Je sais pas, là, j'ai l'impression que j'ai un petit pas de def trop stylé, tu vois. Ouais. Où est-ce que je trouve des trucs du style? Mais en fait, c'est pas dans des magasins dans le jeu que tu trouves ces trucs-là, en fait. C'est des trucs... C'est des trucs qui se farment, les fringues, dans le jeu. Clodo, ça refuse. Sinon, tu peux les acheter. Sinon, tu les achètes sur le tableau des ventes, mais ça vaut très cher, quoi. Ah ouais. Sinon t'es streamé sur Twitch, voilà. Quoi. N'hésitez pas à me donner des trucs si vous avez des trucs stylés, je pourrais les essayer et tout, on va se faire un petit moment. On essaye les habits que vous me donnez. N'hésitez pas, hein. Un œuf de poule, mais what the fuck. Un problème avec ça. Attendez, vous savez ce qu'on va faire, c'est que je vais aller à l'endroit du cybersex. Limsa le Minsa. Voilà. On se retrouve à Limsa. Et Et bourré. Quoi, un œuf de poule? Il est dans quelle zone, Limsa? La Nocera. Il s'appelle pas Kiki Pu. Ah oui, ce truc rempli d'eau. Tu veux que je fasse? Attendez, c'est trop. Au revoir. Hop là.
On se retrouve à l'entrepôt et vous pouvez me donner des tenues, n'hésitez pas. Je suis garde à dit. Ensuite, j'essayerai vos tenues. Merci les Cœurs en Scrat pour les 17 mois, Vénézian les 8 mois, Vaufuliac les 19 mois, Monomètre les 9 mois, Cimetière les 27 mois, Argentique Sunflower les 11 mois, LM les 6 mois, Battery Fox les 18 mois, merci beaucoup. C'était pas, me foutez pas devant. Hein. Zélibar. Bizarre l'ambiance. Énorme dans le jeu, bien sûr. J'espère que j'ai 10 000 points d'expérience. L'IMSA, c'est un peu l'endroit pour, j'ai envie de dire. En crépusculaire, attends, il y a peut-être un fight là. Il y a personne, je me fais un giga avant. Un big bagarre. C'est bon. Ah, mais tout est nul. Je propose que des trucs de clodo, je vais prendre les pièces d'argent. Je peux vous faire une danse si vous voulez. Attendez, je vous fais une danse. Tac, tac. Eh mais Bagheera, danse pour des bœufs. Bagheera, t'es niveau 50 et t'as fini Rim Reborn. Oui, ça. Mais go débloquer la tour de cristal, c'est le premier raid de 24. Ah bah go, ouais de ouf. Faut que t'ailles dans le Mordona. Ok, vas-y. Par contre, conseil, je suis désolé de te dire ça parce qu'on est en stream, mais conseil, suis le scénar de ce raid. Ok. Si tu comptes continuer le jeu, je te conseille très fortement de suivre le scénar de ce raid. C'est doublé de toute façon, non, à partir de maintenant. Non. Ah. Allez. Bon, j'ai reçu juste une tenue en coton, vous êtes pas des super sugar daddy, je suis un peu déçu. J'ai 10 niveaux d'avance sur la MSQ parce que j'ai tapé trop de ziz. Mais t'as tapé trop de ziz. Aïe aïe aïe. Le grand malade. Je fasse que de la main quest là. Plus de distraction. Bon, j'ai envie de faire pipi, n'hésitez pas à me donner des trucs pendant ce temps et ensuite on va faire la tour. Il faut que tu les acceptes. Oui. En fait, quand j'avais fait le jeu en stream tranquille, là, ouais, je faisais beaucoup de side-tracking, c'est pour ça que j'ai beaucoup avancé. Oh, il a l'air bien ce petit pantalon, merci beaucoup. Puis t'as aussi les quêtes de job qui te font pas mal monter de souvenirs. Tout à fait, mais les quêtes de job sont même... elles sont obligatoires en vrai. C'est les quêtes optionnelles obligatoires, on va dire. Ouais, ouais. Attends, il est tourné vers quoi là? Ah oui, il faut aller là. Parce qu'en plus de ça, ça te donne des spells en plus de ça. Donc c'est quand même très important. D'ailleurs, c'est quand que je pourrais redevenir un samouraï ou autre chose d'ailleurs? Samouraï, c'est Stormblood, hélas. Donc pas du tout de suite. Ah oui, c'est far away. Oh, tu m'as donné des sous. Oh, merci beaucoup. Merci pour les 1 million. Il a pas vraiment une gueule de samouraï. Vous avez vu l'animation de la banane? J'ai pas compris, merci. Oh, j'ai assez d'argent pour m'acheter des tenues là. Ouais, titre de MV, génocide de Ziz. Génocide de Ziz. Ouais, les petits pips, c'est. Tiens, prends cet œuf de poule. Comptoir de Mémeroun en Odnocea. Oh là là. Ouais, désolé, hein. C'est Rim Reborn là. Hein. On voyage. Mais le samouraï, c'est à partir de niveau 50, mais il faut posséder Stormblood. Oh non, oh, dis-moi que j'ai les Térites. Oui, non, mais d'accord, merde, putain, mais j'avais pas besoin de me téléporter. Non, arrête, du con. D'ailleurs, la quête de samouraï, tu l'as. Oh putain, mais putain, j'avais pas vu mes PM. Je fais n'importe quoi, je parle, je fais de la merde. C'est vrai que je me suis très peu baladé à l'IMSA. La ville du sexe. La ville du sexe. Oh là là. On balance des sorts très à châle sur la gueule. C'est en dessous. La vie pue le sexe. Probablement. Là. Merde. Bon. Se synchronise. Ouais, j'étais déjà synchronisé. Ok. Ouais, j'aime bien, on est tous ensemble dans le vocal, mais on fait tous des choses très différentes. Oui. Weinberg. Non. C'est Sinel. Salut. 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 Non, c'est beau, j'ai beau, tiens.
Oh putain. Ouh, ça a été un petit carnage. Regarde, il est où, je le vois pas. Je suis trop loin. Eh putain, c'est bon. Merde, il se fait déjà rage, je suis un teubé. Aïe aïe aïe, on voyage hein. Oh non, vite. Port aux Halles. Ah mais je me souviens de Port aux Halles, c'est pas là où il y avait deux bouffes que j'avais aidé? Pas du tout. Si, avec les bateaux. Si, je me souviens très bien. Je me souviens de cet endroit. Oh, je vais pas le soigner, hein, c'est la fin du combat. Hein. Bonne chance à lui. Hein. Je suis pas là pour soigner, moi je joue healer. Hein. Moi, je suis là pour DPS hein, globalement. Je m'en fous, je bougerai pas. Un bébé chacal. Vous êtes fascinant. Oh vas-y. Venez, mortel. La gardienne du soleil vous attend dans son domaine. Bien sûr. Moi je dis le vrai RP c'est de faire tout ça sans fast travel. Je cours. Oh putain. À pied sans monture. Bien sûr. Sans utiliser le sprint, voilà. Plaisir. C'est comme ça que j'ai fait le jeu perso. Non. Une blague ? Ah oui, en marchant. Oui, tu peux marcher en plus dans le jeu si tu veux. Oh le drame. Lequel vous préférez ? Ok. Ah ok. Ok, lui, très bien. On va partir de port, hein. Partir du port. Mon Pégase des ténèbres m'a de Kekos. M'a donné un traité assassin, ça a l'air trop mignon. Attendez, il y a un peu une vibe... Comment il s'appelle déjà dans Elden Ring? C'est ça. Le boss énorme sur son mini-cheval. Ah, Radahn. Radahn. Il y a un peu un mood Radahn quand je prends ma monture. Ah, Radahn, c'était vraiment fou, Radahn. Ok, alors... Quand il arrive en météore, là... Incroyable. Oui. Pardon. Petite bière. On avait fait un petit donge là. Tu ouvres une bière, Baga? Non, c'est un petit coca en vrai. Pinch. Pinch là? Pas plus de rien. Une bière fraîche. Petite lèvre rubis. Alors. Bon, bah alors, les gens, je vais suivre l'histoire. Sinon. Il y en a pas, je dois aller ou j'ai fumé de mauvais shit? Elle est cool la quête de la tour de cristal. Pour de vrai. Hein. Là, j'ai la rançon de la gloire. Et c'est une quête bleue qui s'appelle... Je vais avoir une référence au nom, la tour de cristal, quelque part dans le Mordona. Ouais, mais c'est pas encore maintenant, je crois. Hein. Normalement, voilà, c'est enfin, à peu près... Rune. Normalement, je pense que oui. Non, c'est les gens, c'est... C'est le palais d'Alen. Non, pas ça, non. Y a pas... Tu me parles de l'histoire, là. Non, je te parle de... C'est une quête bleue pour la tour de cristal. C'est un raid. Nul. Ah ! En l'argent. C'est une quête bleue, pas une quête de la MSQ. En l'argent, car je suis en manque de liquidité. D'ailleurs, si vous avez un petit mini qui traîne... Je dois aller où ? Bah, il me semble que c'était dans le Mordona. Un coffre d'armes qui est 10 niveaux en dessous de moi, mais quelle vie ! La quête s'appelle l'héritage d'Alag, apparemment. Une quête bleue dans le Mordona. Je vais le trouver. Héritage. Putain, mais je vais pas aller chercher la liqueur, je vais taper des mobs. C'est juste pour la... pour les stats hein, que j'ai mis ce truc là, bien sûr. Faut que je reprenne Zetlana. Ah putain, t'aurais pu prendre allez, salut. Ah, un enfant. Je peux pas parler. Pam 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 pam. Voilà non plus, ça viche pas la quête. Bon, l'héritage d'Alag, il est pas là? Non. Ah merde, bah c'est peut-être un truc de la MSQ maintenant, je sais pas. T'as pas des quêtes bleues dans le Mordona du tout? Bah si, mais j'ai les manoirs dont on ne revient pas. Ouais. Le but de Satacha, les profondeurs de cloche cuivre, la reprise du vigile de pierre, l'héritage d'Alag. Oh oui, voilà. Bah voilà. Oui, c'est littéralement ce que je t'ai dit. Oui. Je... Ça va, il y en avait beaucoup. Ah, t'inquiète, y'a pas de soucis.
C'est qui là? Ils sont pleins. Ils en voient qu'une. Oh, mais étrangement vêtue. Ça va être ça. Aïe aïe aïe, l'enfant. Bon, je veux que ce suive là. L'enfant? Ah oui, l'enfant. Hein. Enfin, je vais jouer avec son papa. Tu parles de ton enfant IRL? Je parle de mon enfant IRL. Je lui ai dit, je peux pas jouer avec des petits ziz. Ah oui, bien sûr. Hop. It's ok, it's ok. Faut pas qu'elle le dise à l'école par contre, hein, c'est bizarre. Papa il joue avec des petits zig, il joue avec des petits ziz. Il joue avec des petits ziz, aïe aïe aïe. Le drame. Non, oui, non, c'est. Ce serait pas fou. Un de plus, un de moins, j'ai l'impression. Couleur fait influenceur. Oh, c'est Mims ici. Putain, mais ta question au Popcorn Fest, MV. Oh là là, mais ah, vraiment. Et encore. Bon, on l'a tourné, on l'a tourné bien. Oui, tu l'as bien changé. Ça devait être pire, ça devait être pire. Un jeune curl. Ah, ça par contre, c'est une icône de bestiaire. Non, c'est quoi cette icône là quand il y a une flamme? Ah, bah non, mais c'est la quête. C'est la quête. Tabasser des jeunes curls. C'est l'icône MSQ, oui, oui, tout à fait. C'est quoi ce truc énorme qui se bat derrière? C'est bien normal? C'est l'aléa. Ben, retiens-toi de le faire. Oui, oui. Une musique de fou. Ah, la musique donne envie de faire l'aléa. Hein. Ah, ça doit être un gros aléa. Ouais, c'est Simurgh. C'est un gros dragon qui a tortue. Non, mais je suis tout seul à faire. Si je suis tout seul, j'ai l'air con. Pourquoi il tape pas? C'est ce que je disais. Mais pourquoi il tape pas? C'est peut-être pas synchro dans l'aléa? Ah oui, parce que je suis con. Non, non, mais vas-y, je le laisse tranquille. On s'en fout. Pas ma guerre. Moi j'ai la musique quoi. Ok. Je check les flèches. C'est des curls ou pas? Au calme. Au calme. Au calme. C'est bon. Y'a pas une éthérite là? What the fuck hein? Et il revient. Oh oh oh. J'ai envie de savoir ce qu'il y a. J'ai envie de connaître la vie de ce matelot. Ben, il nous souhaite tout le bonheur du monde, quoi. Attention. Cosplay de Radam. Vous le faites, votre petit raid 24, là? Bah, il faut attendre que faut que Bagheera le débloque. Là, je fais le dernier du jeu. Là, je fais le dernier du jeu à l'heure actuelle. Allez. J'ai bientôt fini. Je suis à l'avant-dernier boss. Et je vais mute pour le dernier boss parce que la musique est un énorme banger. Bangers. Musique du jeu par Masayoshi Soken. Incroyable compositeur. Incroyable compositeur. Meilleur que Uematsu, je trouve même. Mais bon. Sans Uematsu, pas Soken. Ça, c'est la genèse. Bien sûr. Oh là là, mais ça joue! Il a des cartes de triple triade! Joue! Il a 4 cartes. Tout à fait, c'est cette équipe-là s'occupe de FF16 également aussi. Ce qui est très prometteur du coup. Ah! Mais de la merde! Merci Antoine. Carte de Clodo. Putain, t'as fait 700 heures de jeu depuis que je t'ai fait découvrir le jeu. Wow. Aucun regret, j'ai l'impression, du coup. Ma merde. Oui. Non. On m'appelle le roi des bouffes. T'appelles pas comme ça, mec. Mais je l'ai fait. Mais je suis que de la merde à Marquette! T'inquiète, j'ai mec. Tout perdu. Ta member, t'es trop loin, au revoir. Au revoir. Si, j'ai pu te protéger. Très légèrement. Brûle! Petit pain brûle!
Vas-y, commence. Ah, le bait. Putain, ça tombe beaucoup plus vite que la première fois que je l'avais fait, forcément. Hop là. Ok, je me mute. À toutes. À toutes. Énorme banger. Ok, let's go. Ok, let's go. Nom du banger du coup, In the Balance, elle s'appelle cette musique. On est prêts, hein? Oui, nous sommes prêts. Qu'est-ce que je fais? Foule de la merde, oui. Nous allons vous montrer la véritable puissance divine. Faut venir, messieurs, dames. C'est vrai qu'il les enchaîne, celle-ci. Il a déjà fait un stream sur Red, je l'ai déjà fait une fois. Mais j'ai déjà passé plusieurs fois cette zik en intro de stream. Par là, faut venir par là. Dans le début de ce stream, tout à fait. Au début de ce stream, j'ai mis celle-ci. Tout à fait. Attends, mais branling. Oh là! Oh non, c'est le passage des boules. Horrible. Horrible, surtout quand tu joues quelqu'un qui spell comme moi. Haïssable moment. Je parle pas d'histoire, bien sûr. Pas mal ce message, Lokaya. Pas mal du tout, bro. Rien faire. Au secours. C'est bon. Soyez calcinés à tout jamais. Ok. Merci.
Ok, ça, ça va être un petit écartement, là. Puis que ça va être une attaque dangereuse. Vaut mieux être partir par ici, du coup, là. Allez, let's go, hein. Par ici. Venez. 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 C'est là. Ils sont très chauds. Easy. Là. Je ne changerai pas de position, je vais me faire balader. Voilà. Au calme. Oh. Les humains qui rivalisent avec le pouvoir divin. Oh, remember. Tu as pris plutôt cher, non? Mais n'allez pas croire que nous sommes quittes. Ok. C'est parti pour le fun. Vos âmes sont bonnes pour la liquidation. Oh merde. Putain, c'est lequel le mien? Je suis pas relié, je suis pas Link. Je suis pas Linked. On va dire que c'est celui-là. Parti. Amenez-le là-bas. Oh putain, ça va être chiant pour la balance. Ça va être chiant pour la balance, ce truc-là. Putain, c'est déjà fait raise. Le bébé que je suis. La balance doit être équilibrée. Stop, stop. À gauche, un peu. Stop. Non. Là, bougez plus. Ne bouge. Non. Idiot. Ne bougez plus. Ne bougez plus. C'est bon. L'heure du verdict est arrivée. C'est bon. Non plus, j'ai jamais eu un seul troll sur la balance depuis que je fais ce raid. Pas une seule fois, mais apparemment ça peut être assez fréquent. Vous méritez de connaître toute notre puissance. Je fais ça en retard, je suis un trou de balle. Ah oui, il change, c'est vrai. Ah oh oui, le moindre troll, c'est un wipe, hein, donc c'est relou. Oh, damn, les gens! Un wipe, c'est quand toute l'équipe meurt. Comme quand tout le monde meurt. Globalement. Oh, sur moi, les gens! Venez! J'avais pas vu que c'était moi, faut que j'aille là. Pardon. J'ai full de la merde. Putain, notre alliance, ça tient bien, les autres elles sont un peu dans la sauce, hein. Ok, finito. 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 Merci. Bravo. Bon, je l'ai pas eu celle-là. Non, je l'ai pas. Je la veux. 21. Putain, mais nique sa mère. 37, nique sa mère. 14. Nique sa mère. Putain, mais...
Et franchement, si vous êtes sur le stream, faites passer sur la... Faites passer sur la... Sur la mascotte, s'il vous plaît. Faites passer sur la mascotte, je vous en supplie. Faites passer sur la mascotte. Passez la mascotte. Merde. Faites passer sur le rouleau radiance, s'il vous plaît. Faites passer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, non. Putain, j'ai rien eu. Super. Bonne soirée à tous. 3, c'est ça que je dois faire. Re. Oh là là, c'est une honte. Re. 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 Re, re, re. Re, re, C'est bon, tu as pourfendu le mal. J'ai pourfendu le mal, tout à fait. Ah bon. Tout à fait. 2 TGV sur 3 à l'arrêt et 1 TER sur 3 à l'arrêt demain. Oh, mais je suis dans la merde. Quel rapport avec le jeu. Quel rapport avec le jeu, Bagheera, enfin. Oh, ça va, je viens de me rendre compte que je vais avoir un trajet des enfers demain. Ça va, ça va. Ah, mais j'ai cette merde. Ok. Il est quoi, il est caché sous le pont? Vraiment, le vol, ça change tout. Hein. Oh, le vol. Là, le vol. Ah, le vol, ça change tout. Hein. Quand tu l'as, le vol, c'est une dinguerie. Hein. Mon problème avec ce jeu, même si ça a l'air dingue, les combats de boss, ils durent 1000 ans. Bon, OST Banger, mais quand même. Bah, en fait, là, c'est le dernier raid. Donc, c'est normal, le niveau d'objet des gens. Bah oui. Forcément. Mais globalement, quand tu fais la MSQ, la plupart des boss, je peux te dire qu'ils tombent assez vite. Ah. Mais plus t'avances dans le jeu, plus ils tombent lentement, c'est sûr. Forcément. Je vais le tuer lui avant, parce que sinon, je me fais emmerder. Ah, j'ai vraiment. Hollow in the Balance, tu veux ça. Je l'ai déjà, je crois. Non, je l'ai pas, je le veux bien, Remember. Vas-y, tu vois où je suis. Je t'attends au pied de cet arbre. Ici. Là. Voilà. Ouais, lance Garuda en D5, ça ira vite. Mais je l'ai fait, Garuda en D5, forcément, pour avoir le cheval, là. Mais oui. Mais après, voilà, si tu veux faire du contenu HL, bah forcément, ah, c'est des combats qui sont assez longs. De c'est des combats qui sont assez longs, ouais. Allez, cassez ta gueule! Le jeu est particulièrement populaire en France, en vrai, non. Oui, il est populaire en France, mais il est populaire dans d'autres pays aussi, à même d'autres. T'as un collabo! Oula, MV, ça va? Mais tabassé un collabo! Tiens, je te paye. Hop là. C'est faire. Sûrement, c'est un peu chaud les finances, là. Merci beaucoup! Merci beaucoup. Il appelle qui? Oh, deux sbires. Hop là. Vous avez des techniques pour farm les métiers? Tu peux faire des. Comment ça s'appelle? La reconstruction des gigardes, là, le. Combien? Putain, oui. C'est azuré? Oui, c'est azuré, je crois. C'est azuré, ça c'est vraiment le truc pour monter les métiers rapidement. Et les mandats ça marche très bien aussi. Les mandats ça marche très bien, et sinon pareil pour les jobs de récolte aussi, t'as un truc qui s'appelle le diadème qui marche assez bien. Et aussi les mandats ça marche très 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 bien. Ah, les quêtes de métier de Crystarium aussi, effectivement ça marche bien aussi. Et oui, pour le pêcheur, tu fais aussi le voyage en mer, là, le truc, le raid de pêche en mer. C'est assez cool, en vrai, je trouve. Putain, s'il y avait du Blitzball, ce serait incroyable. J'ai du mal à voir comment ils peuvent l'intégrer. Blitzball, c'était trop, trop bien. T'as un gros bouffe. Mec, j'ai juste dit que j'aimais bien le Blitzball, c'est bon. Laurentius, là. Je suis mute
depuis avant, je suis en train de me plaindre que vous me foutiez des gros rangs. Ah bah oui, mais c'était mieux que... De FF10, vous disiez? Ou bien je confonds? Oui, oui, le Blizzard de FF10, tout à fait. Est-ce que j'aimais ça? Ouais, c'était rigolo, hein. J'étais trop fan. Ouais, c'était rigolo. Ouais, enfin... Vraiment, assez l'intro... long. Si t'optimisais pas les tournois, c'était assez long, hein, quand même, pour la balle de Waka, là, oh mon dieu. T'avais aimé FF10, AMV? FF10, oui, j'ai adoré FF10. Moi, rien que pour l'intro Blitzball du début d'FF10, là, je peux la regarder tous les jours, je crois. Sur Otherworld. Oui, non, moi, la piste m'avait insupporté. Mais, moi, je trouvais... Mais après, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien Otherworld, et maintenant, c'est des souvenirs. Mais... Non, mais par contre, oui, j'aime bien l'ambiance, enfin... Les petits relents asiatiques, il y a un petit peu dans pas mal d'ambiance et de musique et de scénettes. Ah bah les musiques Masashi Yamaozu dans le jeu sont incroyables. Bah, masterclass. Masterclass, tout à fait. Classe de maître. Très très bon. Tout à fait. Ah mais c'est pour ça que j'ai reçu un message SNCF qui me disait que mon train avait toujours lieu mais qu'après il fallait que je sois pour la correspondance. Ok, je vais te commencer à Lyon en fait. C'est compliqué. Je connais rien au jeu, mais je peux affirmer que cette ville est une de mes préférées. Généralement, cette ville-là, c'est... elle convainc pas mal de monde. Kugane, bien sûr. Avant, ah, Antoine, Kugane, Kugane de nuit. Dans une ville. Oui. Qui était des sortes de boules. Attends, tu parles dans le jeu ou... Ouais, dans le jeu, là. Des sortes de boules. C'est des sortes de boules qui formaient la ville, genre l'une sur l'autre. Tu vois pas? À quel endroit? Je sais plus moi. C'est parti pour... Ah, tu parles de la mine des gobelins, je pense. Ah ouais, c'était trop stylé. Ah oui, c'est sympa, oui. Non, tu l'observes. Non, mais faut que ça arrête. Oh, vas-y, je le fais, les gens. Vas-y, j'en ai rien à foutre, je le fais. Hein. Attendez juste ma planche mirage, parce que là, la robe sous la robe, là, c'est pas possible. On le fait, hein. Il faudrait que je fasse FF13 3 un jour. J'avais adoré le 2, malgré les persos transparents. Putain, mais il est où mon truc? Il est où le ballon écrasé là? Il est où mon machin là? Let's go. Je l'ai plus? Il dit pas que j'ai supprimé la planche mirage, je suis pas un teubé. Ah non, voilà. Lightning Returns, ouais. J'ai pas fait Lightning Returns. Juste on le fait, hein, tranquille. Aucune faute. À chaque fois que je tombe, j'offre un sub. Tu fais quoi là? Je monte la tour de Kugane. Ah, ça y est, il a enfin trouvé le chef Sylph parce que là. C'est un Jacta ou pas du tout? Non, pas du tout. Tu t'y as pas accès encore dans Stormblood. Ok. J'offre un sub à chaque chute. Il n'y en aura aucune. On va encore prendre les pièces d'argent. Hein. Ça tombe bien, je suis un peu sans le sou. Revenons au jeu. T'as un petit mini là. J'arrive. Je suis vraiment leur laquais, hein. Je dois aller chercher des morceaux de ballon, quoi. FF13 3, on me l'avait vendu en mode stressant. Attendez, on compte. J'offre tout d'un coup, parce que j'ai la flemme de faire ça à chaque fois. On compte. Ok. Enfin, je parle au chat, pardon, excusez-moi. C'est engouffré dans les 1000 gueules. Un, pour l'instant. Un. Oui, mais avec la robe, c'est pas pratique. Faut que je me mette en machiniste. C'est donjon, là. Ouais, I can relate. Voilà. T'es un donge. T'arrives où là? Je sais pas, on va dans une prison pour secourir le chef des Sylphes. Lui il m'a plus la chienne. Oh, je vais le tuer. Il m'a plus la chienne des cités, l'autre gars. Ah, FF12, bien sûr, on avait commencé à recommencer un let's play sur cette chaîne hein, qui sera fini comme tous les jeux commencés. FF12? Oui. C'est le FF que j'aime le moins, je crois. Ah putain, j'aime beaucoup FF12. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ah, déjà, je suis très très fan du compositeur, comme d'hab, mais. Toshi Sakimoto, La musique est trop bien, par contre, ouais. Non, mais le problème, c'est c'est juste que oui, tu sens que c'est un jeu où ils ont rafistolé, rajouté des trucs, quoi. Enfin, il y a eu un souci à un moment, d'où Van et Penelo et compagnie, mais. Il y a vraiment des moments super, super forts. T'as oublié que t'étais en live, quoi? Ouais, je lisais dans ma tête, tranquille, j'ai oublié que j'étais en live, quoi. Du coup, je suis...
Pour l'instant, on est à deux. Le jeu qui joue à ta place. Bah, c'est comme d'habitude, en fait. Quand... Moi, j'aime bien le système de Gambit dans FF12. Ouais, moi, j'aime le Gambit, je trouve très cool, en fait. Quand... Parce que quoi, le jeu, pour compenser, te file du contenu endgame vraiment pas, là, musclé. Quoi. Et en vrai, c'est cool de pas être en full manutention tout le temps. Non, c'est pas une chute. C'est pas une chute. Là, par contre, je peux faire des chutes. En plus, c'est de nuit, je vois rien. Est-ce qu'on a les mêmes horaires d'ailleurs, nuit, jour sur le serveur? Absolument, oui. Trop bien. Pourquoi j'ai aucun donjon, moi? Ah bah Hortense de retour. Bonjour Hortense. Bah, depuis tout à l'heure, vraiment, je rush l'histoire et jusque-là, j'ai fait que de parler aux gens. Ah, t'es peut-être dans un moment. Attendez, accès autorisé, 1000 gueules de Totorak. Ah, les 1000 gueules de Totorak, c'est un donjon ça pour le coup. Et je crois qu'Hortense là, d'ailleurs, les 1000 gueules de Totorak. Ah. Là, je suis tombé très pour le coup, c'était 3. Sinon, je pouvais d'ailleurs, j'ai plus de quête de quête principale en fait. Si, en haut à gauche, tout en haut à gauche. Une bonne personne. Si, tout en haut à gauche, clique dessus, tout en haut à gauche. Ah, mais oui. Non, pas 4, ah, bah, okay, j'étais obligé de tomber sur celle-là, c'est 3. Ah bah oui, je suis plus sur la bonne quête, au secours. Comment elle s'appelait déjà? Truc Alag, non, je sais plus quoi. Vous voulez qu'on fasse le petit donjon qui pue là? Oui. Ah, je me bats avec des gens, ça y est. Je la trouve plus. Il faut qu'on fasse une team. Tout à fait. Il faut que je repars. Attends. Ah oui, mais Horty tu... Ok, non, tant pis. Aïe. Horty, après, arrêtez de faire 12 000 échanges pour la bouffe, c'est gentil, c'est marrant, mais. Oui, non. Le mini-royen, quand même. Bah ouais, c'est ça. Pour le coup, mettez des sous. Moi, je veux des gils avec ça, là. Peu de respect, quand même. Des gils d'or. Bon, bah merci quand même. Alors, je dois retourner à Mordona, vous m'avez dit, hein. Bah normalement, si tu cliques sur ta quête, c'est good, hein. Mais oui, mais je la trouve plus. Ah bah, je sais pas. Normalement, ça devrait être à Mordona, ouais. Hop. Non, je suis parti sur une autre quête. Effectivement, j'étais un peu... Ça a plus trop à voir, mais ok. Mais Vadim Kroot est dans une mission ou dans une machin. T'es pas en équipe? Non, mais Vadim Kroot, c'est Horty, mais... C'est Horty, elle est pas là. Voilà. Moi, c'est Casse-Croûte. Et Casse-Croûte, je t'ai invité dans l'équipe. Voilà. Jeu de mots, tout ça. Ah, si. Hein. Voilà. Non, mais j'ai pas Antoine en friend. Ah, si. Si. Invité dans l'équipe. Oui. Ah, petit donjon, là, ça fait plaisir. Vous êtes tous les deux DPS? Ouais. Je vais me mettre en heal. Oui. Dans ce cas. C'est où déjà pour monter là-haut? Donc, j'ai fait 4 chutes, donc c'est 4 subs pour arriver en haut. Putain, mais et comment je fais? Ah, oui, c'est là-bas, merci. Oh, les 3-6. 3-6 au clavier. J'ai vraiment réussi à perdre ma quête. Je suis au bout. Voilà. Ok, maintenant. J'offre 5 subs si j'arrive pas à aller sur le lampadaire. Le lampadaire juste en dessous. Hein. Sinon, il n'y a pas de 3-6. Hein. Moi, j'offre 5 subs si je m'amuse pas. Dommage, je m'amuse. Allez. Attention. Hop. Allez. Je pense, ouais. Eh ben, ça fera 9 subs. Merci. Oh, c'est trop beau, MG. Oh, comme c'est beau. Merci à tous. 9. Attends, Horty, elle s'appelle comment son perso? Horty, elle est en quête. Je pense pas qu'elle... Enfin, bon, autant lui proposer quand même, mais... Et en mission, moi, oui. Moi, c'est Casse-Croûte. Mission intermonde. Oui, toi, t'es avec moi. Ok. Hop. Bon, sinon, on fait à 3. Autant lui demander, mais... Mais toi, t'as pas accepté le... Merci Antoine Daniel pour les 9 subs. Ah, pardon. Voilà. Merci Stylis pour les 9 mois, Cucuf les 23 mois, Mewanar les 14 mois, Kristen Bor les 15 mois. Ouais, bien sûr, les 1000 gold de Totorak. Et 1000 gold de Totorak qui a été rework tout récemment pour rendre le donjon sympa, alors qu'avant c'était de la grosse demeure, on peut le dire. Ah, par contre. Tout à fait. Alors, hop, attends. Oui. Participer. C'est parti. Let's go. C'est Louis-Jacques 10 pour les 17 mois, merci beaucoup. Tu joues quoi, MV? Je t'ai pas demandé. Il joue moine. Ok. Je vous soignerai. Les grosses patates. Enfin, normalement, je veux. Grosses patates. Ouais, c'est typiquement, là. Totorak. 19,55. Allez, c'est mon don. J'ai ensuite... je redeviens père de famille. Impossible. Et là, tu sais que c'est typique. Les cinématiques galèrent sur le stream. Ah oui, je vois ça. Alors que moi, là, elles sont fluides. Bizarre. Ok. Encore des soucis d'admin ou je sais pas quoi. Oh, t'as pris ce perso avec les armes trop cool là. Oh, je l'aime trop ce perso.
mon sage. Ouais, il est trop cool. Ouais, il est Stylax. Et on a un autre joueur avec nous. Tout à fait, un tank. Il joue le tank, c'est un tank. Parfait, merci à lui. Ah oui, j'ai pas mis attaque. Et les donjons, c'est forcément un tank, un heal, 2 DPS. Oui, c'est vrai. Putain, par contre, en début de jeu, j'ai pas l'habitude de jouer sage. Donc j'ai un peu... Il me manque un milliard de trucs. Genre, il me manque ça, quoi. J'ai un truc de fou. Depuis avoir les sauts, je suis déjà plus habitué, là. Il me manque un milliard de trucs. Est-ce qu'il y a une classe d'invocation? Tout à fait, il y a l'invocateur. Tout à fait, il y a l'invocateur dans le jeu. Le sprint. Ah, mais je crois que ce donjon, c'est celui que j'ai fait avec Ulcha et Fred. Ah, c'est celui où ils ont rushé sans t'attendre. Ouais. Tout à fait, ok. Donc j'ai pas fait le boss. Ah oui, c'est vrai. Et c'est fou. En vrai, ouais, taper les mobs tout en avançant et en fait, c'est le tank qui donne vraiment le rythme du truc. Et... Hein. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Pardon, je voulais ma bonne note. Bien sûr, bravo. Je vais peut-être faire mourir le tank sans faire exprès. Que je ne fais que DPS. Dommage. Non, c'est bon. J'ai quoi là? Ah oui. Ok, c'est bon, j'ai... Pas de cardia sur... Ah putain, j'ai oublié de faire mon cardia. Putain, je suis un teubé. Je me disais bien qu'il me manquait un truc. Pourquoi j'ai oublié de faire cardia? Excusez-moi. Ah mais il bourrait en fait, c'est pour ça qu'il meurt. Enfin, il meurt pas, mais je veux dire... Le flagellotug. Mais non, on l'a fait ensemble celui-là, je crois. Oui, moi ça me dit un truc. Ouais. Ça me dit un truc. Hein. Oui, je crois. Trop teubé, hein. My bad. Là, j'oublie de mettre mes stacks de je sais plus quoi là. Pas de karma, mais de. Attends. Comme ça, j'arrive et je. Putain, maintenant, c'est. Le poison n'est plus. Ne soigne plus avec la guérison? Attends, c'est nouveau ou c'est quoi? Ouais. Gain de niveau. Oh, c'est énorme! Bien joué à toi. Allez! Mais attends, mais gain de niveau. Ah oui, gain de niveau dans la vraie. Ouais, c'est le premier poison. Oui, ça oui, c'est dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Tout à fait. Yes. D'ailleurs, là, il y a un coffre, si tu veux, il y a les Ah non, il n'y a pas d'armes dedans, il n'y a rien. Vous êtes dans le donjon, déjà? Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Coup dur. T'as débloqué un truc, Hortense? Non, je continue... Je sais pas ce que je dois faire, là. Je dois aller déposer du quartz, quelque part. Déposer du quartz. C'est souvent comme ça. Comme dans la vraie vie. Oui. Ah oui, non, je parlais de... Ah oui, non, dans le jeu, là, il faut que j'aille utiliser un sifflet. Bien sûr. Énorme. Non mais avant il y avait la barre grise au-dessus des trucs de poison, donc là c'est plus le cas. Je me souviens vraiment de pouvoir débuffer. Il y a un coffre. Coffre. Des gants de brigand. Oh oui, besoin. Si tu veux faire besoin, c'est que c'est good. Ah bah voilà, là par exemple je peux. Je suis un connard. Ah oui, ok. Oh non. Ah, j'oublie toujours le délire de besoin et cupidité déjà. Besoin, c'est vraiment quand c'est pour ta classe. Cupidité, c'est que tu peux quand même tirer le dé, mais tu pourras pas le porter avec la classe que tu as à l'heure actuelle, on va dire. Juste pour faire chier le monde. Oh, c'est joli, la couverture, là. Ou si tu as une classe. Si tu joues multiclasse, oui. Oui, si tu joues multiclasse, machin. Ou si tu veux, par exemple, le démonter pour récupérer les matériaux ou le revendre. Enfin, il y a plein de raisons de faire ça, globalement. Ou si tu veux faire chier le monde, bien sûr, tu peux faire ça. Et les slots de matériaux, faut s'en occuper après ou pas? En vrai, les matérias, pour moi, c'est vraiment plus pour le endgame. Parce que en vrai, pendant que tu fais la MSQ, tu vas changer tout le temps de stuff. Et du coup, ça sert un peu à rien, je trouve, d'équiper ces matérias pendant que tu montes de niveau. C'est bien, une fois que t'es arrivé niveau max avec un bon équipement, là, tu fous tes matérias et c'est good, tu vois. Les matérias, les gens, en gros, c'est du... On va dire que c'est des trucs qui buffent... Enfin, qui augmente par exemple tes coups critiques, ce genre de trucs. Qu'est-ce qu'il y a, Magra? Rien, je me suis tombé touche. Alors, 1, 4, 7. Merde, j'ai oublié les chakras. Alors, il me semble que t'as des positionnels déjà à ce stade-là, d'ailleurs, MV. Ouais, je regardais vite fait les sorts, mais j'ai pas fait gaffe. Alors, il faut buter les deux petits mobs. Oh, quoique, en vrai, on s'en fout. Il descend tellement vite, on s'en fout, vas-y. Buter le boss.
Ouais, ouais, c'est une bonus de stats à mettre sur l'équipement, c'est ça. Voilà. Et avec le samouraï, justement, c'est ça qui est rigolo, t'as pas mal de positionnel. Ah oui. C'est quoi, hein? Ça ne concerne pas. Osef. Ah, oh, j'ai encore une bataille. Bataille, c'est solo. Oh non, oui. J'ai pris les aggros. Pardon. Ah, c'est dommage. Non mais t'inquiète, il va les récupérer assez vite. J'étais teubé. Je découvre en fait, un PF14. De loin et du coup ça me rend trop heureuse. Et j'arrête pas de. Je découvre un PF14, c'est pas possible de faire des invocations, j'imagine. Si, tout à fait, tu as une classe pour ça qui s'appelle l'invocateur. Qui invoque du coup des créatures, quoi, des invocations. Si, tout à fait. Chimère. Ça que j'oublie hors combat de charger mes chakras, c'est gratuit. Et pour jouer invocateur, faut commencer arcaniste, absolument, c'est ça. Tout à fait. Oh là là, ce qu'on va vite. Quel team. Eh oui, eh oui. Après voilà, c'est quand même un donjon un peu early game quoi, donc forcément non, ça. Non mais laisse-moi être fan de nous là. Bien sûr. On peut invoquer genre Bahamut, oui. Oui, tout à fait. En fait, les invocations qu'il y a, c'est Ifrit, Garuda, Bahamut, Phoenix et Titan, si je dis pas de bêtises. Wouh, ça va bro. Pas trop, j'ai l'impression. Attends, on va faire ça. Ah oui, Carbuncle aussi, bien sûr. Ah-da-da-da. Yeah. Tout va bien. Avant, ce donjon, c'était vraiment une purge. Hein. Et jusqu'à il y a 3 mois, hein, c'était une purge, hein, vraiment. Ils ont fait un full rework des premiers donjons. C'est un truc de fou, vraiment. Là, ils ont... une purge ? Parce qu'ils ressemblaient pas du tout à ça, en fait. C'était un labyrinthe. Et tu devais récupérer des boules lumineuses pour pouvoir ouvrir des trucs, débloquer des machins. Et la dernière partie du donjon, là où nous nous trouvons, en fait, le sol était collant. Du coup, nos personnages avançaient lentement. C'est vraiment de la demeure. Ah, grande idée. Moi, ce qui me fait rire, c'est mon frère, il a fait genre des donjons les pires au monde, genre un jour avant le rework. Oui, tout à fait. Ah, dommage. Un jour avant le rework. Ok. Bagheera, si tu veux passer la cinématique. Je l'ai passé. Ouais, les cinématiques full lag sur mon stream. Ah. Alors que le jeu, non. Ah. Bizarre. Étrange. Attends, et si je fais... dans un truc. Bon, après, c'est juste la cinématique où t'as le boss qui arrive, je crois, ici. Quoique, en vrai, c'est peut-être long. Pas sûr. Je suis un peu. C'est pas pourquoi. Mais ouais, l'ancien, ce donjon avant, c'était vraiment une purge atomique. Parce que moi, c'est fluide, et ouais, et juste les cinématiques, c'est un problème. Trop bizarre. Ah, t'as une cinématique avec un ancien ici. Je l'avais oublié. Oh, cette petite morve là, j'aime trop. Elle est trop belle la couleur. Cette couleur de morve là. En même temps, vert violet, meilleure couleur que voulez-vous. Ah oui, c'est même une plutôt fat cinématique, il me semble, effectivement, ici, oui. Bah dommage, ça fout lag. Non. Ah. Sur mon stream en tout cas. Pour moi, c'est. Je crois que c'est lagué, ma caméra aussi. Et je crois qu'on a déjà eu ce problème. Ah ouais, je vois. Il y a longtemps. La moque. Tu dois pas sauver le chef Sylph ? C'est ici le truc du chef Sylph ? J'ai oublié. Normalement, ouais. J'ai oublié quel est le contexte de ce donjon. C'est longtemps maintenant. Oui, on y va parce que le chef Sylph est en danger normalement. Ah oui, c'est prisonnier ça. Là. C'est ça. Mais j'aime pas la mort, j'aime les couleurs. Laisse-moi tranquille le chat, ma manche là. On me dit peut-être checker les options de config, il y a un truc où tu réduis la qualité quand tu as le tab. I don't know. Mais là je suis sur le jeu. I don't know. On va sniffer de l'éther, oh, bien sûr. Physique. Comment on fait pour avoir un titre sous son pseudo? En fait, c'est ici, tu vas dans le profil, et ici en fait tu gagnes des titres dans le jeu. Il y en a plein, il y en a vraiment des tonnes. Hein. Et tu choisis celui que tu veux, globalement, dedans. Tu sélectionnes, tu fais sauvegarder et tu l'as en dessous. D'ailleurs, MV, tu n'as pas de titre dans le jeu. Merci Lou420 pour les 30 mois. L'Iraclia le Prime, Glunk le Prime. J'aime trop ce thème, il est Jack trop les 17 mois. Merci beaucoup. Le jeu est faisable full solo ou est-ce qu'il faut une team pour les donjons? En fait,
Tu peux le faire full solo, moi je l'ai fait full solo. Je l'ai fait full solo. Et en fait tu t'aggras avec des randoms. Faites pas forcément avec les PNJ. Ouais. C'est un peu lent. Bah en vrai, ça... en vrai je trouve que c'est une feature qui est assez cool si t'as pas envie de te retrouver avec des gens que tu connais pas. Clairement. Mais c'est vrai que ça sera plus lent qu'avec si des... Si j'étais plus à l'aise avec des autres joueurs, c'est... C'est cool. Je l'ai fait plusieurs avec les PNJ, mais j'étais pas trop à l'aise, c'était cool comme... Comment t'as mis les macros pour changer de job sur les côtés? Système, ATH, okay, en gros, barre de raccourci ici. Je m'étais demandé si vous aviez terminé le combat sans moi, bah... Ah, c'est non, non, on t'attend, item. On t'attend. Ah, parce qu'il y a une fanfare. je m'étais dit, tiens, non, une fanfare pendant la cinématique. On t'attend. On va y aller, hein, parce du coup. Que j'ai eu du stuff, d'accord. Let's go. Okay, alors, okay. Juste, restez au centre, n'allez pas dans la morve, globalement. Ah, j'ai commencé dedans. Non, mais normal, on est obligé de passer par là, mais il va faire des gros trucs de morve. Et le but du tank, ça va être vraiment de l'éloigner de ça, surtout pour vous, parce que vous êtes pas de distance. Je crois que c'est celui que j'ai jamais fait, hein. Je crois que j'ai jamais combattu lui. Hein. I don't know. Je sais plus, le titre, vous vous rappelez ? Allez, on s'occupe des ads, là, non ? Ouais, buter les ads, tout à fait. Les adsistes. Voilà, ne restez pas dans ce truc-là. Oui. L'idéal, ça serait que voilà, le tank il doit bouger le boss. Exactement. Bah, quand vous voulez pour la transcendance, Bagheera. Ah ouais ? C'est un sbire. Tu peux y aller. Vas-y, en plus j'ai même pas le. T'es en plein dans la OE par contre. Bien joué. Ah. Pas grave. J'ai même pas le raccourci de la transcendance. J'ai eu quand même. Ah oui, j'aurais pu laisser MB en vrai. Mais il avait pas le raccourci. Un part. Ok. Bravo à tous. Bravo. On l'a démontaxe. Oui, on l'a démontaxe. Oh, on fait une petite pause ensemble. Partez pas tout de suite. À ce stade du jeu, les donjons et les boss se font vraiment ultra vite, quoi. Partez pas tout de suite. Attends, moi je vais au coffre au trésor là-bas. T'es pas obligé d'aller au coffre. Je suis en bas à droite, t'as butin. Et en fait, tu cliques juste dessus et en fait, t'as le truc. Et on va au centre. T'as pas besoin d'aller. C'est pas pour moi ça, j'en veux pas. Tu fais passer. Se le dire, bah non, pas toi. Je peux plus bouger. Ah. Bah, je le cupidité. Le revendrai. Ok. Il va le revendre 15 balles. Un sou est un sou. Ah oui, bien sûr. Évidemment. Oh là attends, là. On attend que Bagheera prenne sa petite photo. Comment je l'ai fait regarder ailleurs? Attendez. Ah oui, parce que toi, tu peux faire spacebar pour regarder. Attends, mais tu veux qu'on tourne là? Comment t'es tourné là? C'est ça? Parce que là, tu regardes vers moi. En vrai, normalement, ça change, mais je sais plus comment faire. Voilà, C'est spacebar pour regarder la caméra, mais... Oh là là, attendez, petite profondeur de champ... Pourquoi elle m'intéresse mon armure? Ah oui, j'en ai pas, mais parce que c'est tout nouveau, je viens de l'avoir. Ah, cette banane. Ah putain, Merde, il est où le truc? Merde, l'ancien, il est où? Oh là là, vous avez trop de flanc! Ah, let's go! C'est ça, le nouveau. Ça me rend trop heureuse! Ouais, il s'est passé un truc horrible. Ah ouais? Comment ça? Rien, il y a quelqu'un qui m'a fait de la peine et je me suis dit, ah non, ils vont pas la tuer, et elle est morte. Aïe. Sage. C'est pas mal là, non? Ça y est, t'as ta toff? C'est bon? Ouais, j'ai pas encore mis mes 14 lampes, du coup, on va éviter de le faire. De toute façon, on peut bouger en fait. De toute façon, on peut bouger. Chez elle, ça bougera pas. Ah, ouais. D'accord. Oui. Bougez alors.